Le savoir est quelque chose de précieux. Au même titre que l'information ou la connaissance, il ne s'acquiert pas par un don ou un leg, mais par une recherche et une véritable volonté d'apprendre, de comprendre. Se limiter à la connaissance que l'on nous donne revient donc à se limiter à ce que les autres veulent bien nous donner. Et c'est pourquoi il est primordial de toujours chercher et essayer de comprendre par soi-même, en étudiant toutes les pistes et toutes les sources possibles. Ce n'est que par ce chemin long et ardu que l'on peut espérer toucher du bout du doigt un semblant de savoir. Pourtant, face à ce défi colossal, où l'on peut aisément se sentir seul et isolé, existent de nombreuses voies, d'innombrables chemins, voire de minuscules sentiers, mais qui, si on les emprunte, nous permettent d'avancer encore et toujours vers le but tant espéré. Si l'ensemble des connaissances peuvent nous apparaître comme un immense puzzle, dites-vous que chacune des pièces de ce puzzle n'est que l'une des innombrables voies vers la connaissance. Les sciences physiques, au même titre que les sciences ésotériques ou que toutes les voies spirituelles, sont donc indispensables à la compréhension de notre monde, de nos mondes. Il existe pourtant une trame commune à toutes les idéologies, quels que soient les âges, les époques ou les lieux. Il existe une vision intemporelle qui se retrouve dans tous les milieux culturels et idéologiques. Il s'agit de la tradition primordiale. Ce qu'on appelle ainsi tradition primordiale, c'est un ensemble de principes qui a été révélé, donc c'est une révélation. Les humains n'ont pas fait de recherche, d'études pour trouver certaines lois, certains principes qui régiraient l'univers, les civilisations, les sociétés humaines et tout ce qui s'ensuit. C'est une révélation d'origine, parce que c'est tout au départ de la première civilisation. Donc cette révélation va énoncer un certain nombre de principes qui ont pour but de faire vivre harmonieusement. Les humains de cette civilisation. Donc, ça va définir tout un cadre un cosmique, euh, terrestre, naturel, etc., des principes euh, politiques, euh, spirituels et, et tout ce qui s'en suit. Donc, cette révélation, alors, on peut supposer que ça a été. Fait par Dieu, par euh, des dieux, par euh, des anges, alors, disons des entités supérieures à l'homme qui auraient révélé euh, à l'humanité de, de la première civilisation euh, les, les grands principes euh, qu'il fallait mettre en pratique pour vivre dans une société équilibrée, harmonieuse, pacifique et tout ce qui s'en suit. C'est-à-dire un idéal hein, qualifié d'âge d'or dans, dans la tradition. C'est-à-dire en fait totalement l'inverse d'aujourd'hui. Alors sept, d'après les, les comment dire les, les textes, les légendes, certains diront des légendes d'origine, il y a sept grands sages de l'Inde qui auraient reçu cette révélation qu'on appelle les sept rishis et ces sept sont les sept grands esprits spirituels mais humains qui auraient reçu le canevas le principe les principes de la tradition voilà en gros ce que c'est. Donc ça définit des principes comme par exemple la doctrine des cycles, comme par exemple l'homme s'inscrit dans le cosmos, donc il y a des rythmes du cosmos, il y a des rythmes solaires, il y a des rythmes lunaires, et on ne fait pas n'importe quoi sur Terre quand on exerce un pouvoir, quand on construit quelque chose. Donc si on construit quelque chose en tenant compte de principes cosmiques et des astres, vous allez avoir une géographie, Sacrée, une géométrie sacrée. On ne va jamais mettre une ville n'importe où. Euh, si on construit un temple, si on construit un palais, on va l'orienter par rapport aux étoiles, on va l'orienter par rapport au lever et coucher du soleil. Si je prends un seul exemple vite fait, euh, en Chine, euh, l'empereur avait un palais et normalement son trône, son siège était dans une pièce centrale. Euh, C'est comme le soleil au milieu des planètes. Et en Mais... fonction des saisons, il changeait de pièce. C'est-à-dire il y avait une pièce pour le printemps, une pièce pour l'hiver, une pièce pour l'été, etc. En gros, il faisait une rotation dans ses salles d'occupation à l'intérieur de son palais pour suivre un rythme des astres, euh, etc., etc. Tout le monde sait que les euh, églises chrétiennes euh, sont orientées vers l'est. C'est-à-dire on rentre toujours par un portail qui est censé être à l'ouest ou nord-ouest et on va vers l'est ou le sud-est symboliquement, on se dirige en entrant dans une église, une cathédrale, vers le lieu où le soleil s'élève, puisque, en faisant son chemin, sa, sa foi, exerçant sa foi, ses prières, etc., on se dirige vers la lumière vous ah, voyez, symboliquement, ce que ça veut dire. Alors, euh, dans le détail, on ne va pas rentrer dans ces détails-là aujourd'hui, c'est très complexe, hein, mais on dit, bon, bah, si on oriente une église, euh, je ne sais pas, une église à Lyon vers le lever du soleil, euh, euh, c'est quoi le lever du soleil? Est-ce qu'on prend euh, 5 heures du matin, un 3 mars, un, un 18 avril, un 22 septembre? C'est, en fait, euh, vers la direction du lever et du soleil, le jour de la, de la saint, euh, du saint où dédicacé l'église donc, si une église est saint-jean, ben c'est par rapport au lever du soleil le jour de la saint-jean. si c'est saint-antoine, c'est par rapport au lever du soleil le jour de la saint-antoine. si c'est sainte-christine, c'est par rapport au lever du soleil le jour de la sainte-christine. Euh, donc, forcément, ce n'est pas régulier, puisque ça dépend de ce genre de choses. alors, il y a des exceptions. vous passez les pas exceptions. Euh, chartres. Et, pas orienté vers le lever du soleil, mais à un angle de 45 degrés par rapport au lever du soleil, parce qu'elle est située sur une ligne de l'Ais, qui est un grand courant tellurique qui va de l'est de la Belgique à Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc, bon, là, c'est très, très particulier. Donc, il y a des exceptions. Donc, pour revenir à la tradition primordiale, on va définir des choses comme ça. En gros, on va dire aux rois, aux empereurs, aux grands prêtres des, de la religion, bah, ben, écoutez, vous pouvez pas faire n'importe quoi vous vous encadrez dans des cycles cosmiques, dans des cycles astro, cosmiques c'est les étoiles, les constellations, etc. Astro c'est euh, le Soleil et la Lune, les planètes dans notre petit euh, système solaire. Et après, on va définir des principes purement terrestres, purement ma matériels, entre guillemets. Hein. On va dire, bon alors, qu'est-ce qui commande, le, le prêtre ou le roi On va dire, dans la tradition, le pouvoir spirituel est premier. Le pouvoir politique est deuxième, le pouvoir économique est troisième, le pouvoir du peuple est quatrième, etc. etc., etc. Donc ça veut dire qu'il y aura toujours une préséance quand on est dans la tradition. Du spirituel sans le temporel. Donc vous voyez, ça va fonctionner comme ça. Quand aujourd'hui, vous voyez l'importance énorme du monde politique et économique, et la part qu'on accorde aux maîtres spirituels et aux saints, s a i n t s, aux grands esprits, même aux grands intellectuels non initiés, vous voyez bien que ça n'a plus du tout ce sens-là. En fait, ça a été inversé, puisque c'est la catégorie financière ou économique qui domine même les politiques, le pouvoir spirituel, on n'en parle même plus. Euh, donc, euh, pour revenir à la tradition primordiale, parce qu'on ne va pas passer tous les principes, euh, ça fonctionne comme ça. Ça énonce tous ces principes-là. C'est-à-dire comment on régit les pouvoirs, comment euh, l'homme s'organise dans la société. Par exemple, on va toujours dire que chacun doit être à sa place. L'humain, chaque individu est à sa place, c'est-à-dire que euh, si une personne a une vocation d'artiste, elle fait sa vocation d'artiste. Si elle est pour faire un métier manuel, elle fait un métier manuel. Euh, si elle est pour diriger un pays, bah, elle dirige un pays. Et on ne peut pas faire comme aujourd'hui. Eh ben, vous faites telle fonction, c'est le résultat d'un examen ou vous avez été choisi par votre copain ministre pour avoir telle responsabilité. En gros, il faut une vocation personnelle. Même, même si c'est manuel, parce qu'avant, les métiers manuels étaient sacro-saints. Hein on faisait une statue, on faisait euh, une œuvre d'orfèvrerie. Euh, C'était extraordinaire. Il n'y avait pas les préjugés qu'on a aujourd'hui euh, contre certaines professions. Tout était bon, tout était utile. Mais en fait, chacun était à sa place dans son incarnation. On faisait ce pourquoi on avait été programmé ou choisi sa programmation. Donc, en clair, on revient toujours... À, à la même idée de base, on ne fait pas n'importe quoi, il y a un cadre, il y a une organisation, il y a ceci, et alors pourquoi ça passait, pourquoi c'était bien, pourquoi c'était harmonieux, parce que le but c'est de créer une harmonie générale. Euh, parce que d'abord on respecte un ordre bien au-delà de l'humain, on respecte en fait un ordre cosmique, l'ordre des divinités, etc., qu'on applique au niveau terrestre, c'est censé rendre l'homme heureux. Parce que comme chacun est à sa place, comme chacun fait la fonction qu'il doit faire, comme le roi est vraiment roi, il tient compte d'une organisation euh, euh, disons plus au-delà de lui. Il obéit aux dieux. On voit bien par exemple dans la monarchie française, le roi était sacré par l'Église. Il était censé euh, ben, obéir à la divinité dans, dans ses fonctions. Ça a des vieux, c'est un autre problème. Hein euh, mais en gros, dans les principes. Le but est quand même de dire créons plus grande harmonie possible sur Terre et si on tient compte de l'ensemble de toutes ces lois, on a une harmonie réalisée et les hommes sont censés, sont censés vivre en paix dans la fraternité, etc. etc. Et donc le cadre est idyllique entre guillemets et c'est surnommé l'Âge d'Or. Voilà un petit peu ce que c'est que la tradition et en clair à quoi ça sert. Hein donc, euh, donc ça a un but et puis ça, ça définit, Alors je vous passe les principes, j'en ai cité quelques-uns, mais il y en a plusieurs dizaines. Hein, on respecte la nature, on respecte les arbres. Quand on doit en abattre un parce qu'il est mort, bah bien sûr, là on a le droit de le couper, mais il y a tout un rituel, etc. On rase pas une forêt entière pour faire un, un, une usine euh, de pâte à papier d'ailleurs avec les arbres qui ont été broyés, comme on fait au Brésil. Bon, dans, dans l'âge d'or, c'est impensable. Alors, certains beaux esprits matérialistes diront "Mais à cette époque-là, comme il y avait peut-être 10 000 personnes sur Terre, vous comprenez que..." de couper un arbre, ça ne tuait personne. Aujourd'hui, on est des milliards, des milliards, vous comprenez, qu'on ne peut pas avoir la même vision du monde. Mais le fait qu'il y ait une multiplication infinie de la population est une caractéristique de la faim aussi. Cette doctrine ésotérique n'est jamais enseignée directement, mais doit se découvrir et se faire comprendre par toutes celles et ceux qui la cherchent. Pourtant, elle est présente partout et depuis toujours. La tradition primordiale est une conception du temps et de l'évolution des choses, que l'on peut entrevoir à très grande échelle sur des millénaires, pour une espèce ou une civilisation, dans le cadre d'un tout. Il s'agit d'une vision cyclique et répétitive de l'évolution, ou plutôt d'une décadence cyclique, puisque l'on y décompose une période donnée en quatre cycles, en quatre âges, que sont l'âge d'or, l'âge d'argent, L'âge des reins et l'âge de fer. La dénomination des métaux associés à chacune de ces aires démontre par ailleurs la décadence cyclique avec un appauvrissement de la valeur de ces métaux, à l'instar de la perte des valeurs morales qui accompagnent ces différents âges. Alors bon, on voit bien que ce qui est défini là, c'est un idéal. Donc si tous ces principes sont appliqués, euh, on est dans un cadre parfait qui est surnommé l'âge d'or. Et bien sûr, on constate tous qu'on n'y est plus. Donc on va dire, bah, cet âge d'or a été perdu. On est passé, euh, disons, dans plusieurs étapes. Euh, âge d'or, âge d'argent, âge d'airain ou de bronze et âge de fer. Bon, donc il y a des étapes, il y a une, une période qui est divisée en quatre parties. Alors là, la tradition aussi il y a une doctrine des cycles. Tout est cyclique. Il y a un cycle des saisons. Il y a les orbites des planètes. Tout tourne. Tout est en mouvement, euh, etc. Et ça fait des cycles. C'est-à-dire quand euh, le cycle est fini, on revient quasiment au point de départ. On fait un deuxième cycle, dix-huitième cycle, vingt-deux millième cycle, euh, etc., etc., etc. Alors dans le détail, c'est bien plus complexe. On va définir des périodes de temps selon les civilisations. Donc, on en Inde, ça va être des cycles de millions d'années, euh, etc., etc. Les Mayas vont définir des cycles. Les Aztèques vont parler de euh, de cinq soleils, c'est-à-dire cinq périodes de civilisation, cinq races humaines différentes. Nous, on va parler de cycles astro de précession des équinoxes. Euh, globalement, donc, il y a deux cycles qui sont très connus, puisque nous sommes en Occident. Euh, C'est le cycle de précession des équinoxes, qui en gros est de 26 900, 920 ans, 25 920 ans, qu'on arrondit à 26 000, voilà, et, euh, les Manvantara, euh, des cycles hindous, qui font 64 800 ans. Alors, bien sûr, il n'y en a pas qu'un, il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines, hein, on va prendre une précession des équinoxes totales qui fait environ 26 000 ans, mais il peut y avoir plusieurs dizaines de cycles de précession des équinoxes. Donc, si on, c'est compte. Bien entendu, qu'on serait dans les dernières, dans les 26 000 dernières années. C'est un des, des multiples cycles. Hein. Il y a eu un cycle de 26 000 ans, un en, en autre encore avant, euh, etc., etc. Donc, on va bien sûr définir des périodes qui, très facile, entre guillemets, hein, à euh, exprimer en nombre d'années. On va dire, ben, l'âge d'or, il va durer tant d'années, euh, l'âge de, de bronze tant d'années, l'âge de fer tant d'années, ah, par rapport à un total hein, de, de, de l'ensemble de la période. Bon, la précession des équinoxes, on va dire, ben voilà, c'est un cycle astrologique, c'est presque 26 000 ans, mais il y a 12 signes du zodiaque traversés euh, par l'axe des pôles, donc on va, faire, on va faire une division par 12, ça va faire 2160 ans par air zodiacal. donc par exemple l'ère du bélier va durer 2160 ans, l'ère des poissons va durer 2160 ans, etc., etc., etc. Donc, il va y avoir un nombre d'années défini. Alors, est-ce qu'on peut prendre à 100% au sérieux le nombre d'années en disant c'est tant de milliers d'années, point barre, un deuxième cycle, tant de milliers d'années, comme un calendrier Bon, il y a 26 000 ans, on n'était pas tellement là pour, pour voir le démarrage de, de la dernière précession. Par contre, on peut très bien voir la fin, puisqu'on est dedans. <laughs> bon. Alors, si on est dans l'âge de fer, aux antipodes de l'âge d'or, on voit bien que l'âge de fer donne ce qu'il donne, et on le voit tous les jours. Forcément, l'âge d'or va être l'inverse. Donc, on aura une idée de l'âge d'or, même si... Alors, quelle année ça finit, l'âge d'or, dans le cycle présent C'est-à-dire dans les 26 000 dernières années. Bon, c'est très compliqué à définir, c'est pas une année près. Hein. Quand on dit à l'époque du Christ c'est-à-dire en gros quelques dizaines d'années avant le Christ quelques dizaines d'années après on a transité de l'ère des béliers du bélier à l'ère des poissons c'est pas spécialement telle année à telle heure quoi hein? donc il y a un laps de temps d'ailleurs on passe pas comme ça brutalement euh, d'un cycle sur l'autre ça se dégrade il y a une déliquescence, il y a un embryon d'idées nouvelles qui commence à germer à la fin d'un sec qui va être la préparation du suivant. Donc, il y a un fluide, un truc qui passe. Il n'y a pas un moment où une divinité va dire, euh, un sec fini, tel jour on arrête, il y a une coupure, il y a une sorte de vide, hein, <laughs> comme la télé qui s'arrêterait, et puis, le lendemain, on branche, quoi. C'est... Euh, c'est des ondes, c'est des courants, c'est des états d'esprit, euh, mais ça se transforme. On voit bien que là, on est à la fin d'une civilisation qui est dans une déliquescence totale. Euh, fatalement, les gens souhaitent autre chose. Il y a autre chose qui se prépare. Donc ça va, ça va fonctionner comme ça. Alors deuxième chose, c'est que on qualifie ces airs. Alors, on en prend une, par exemple, un cycle. Donc il va être divisé en Or, argent, bronze et fer, euh, on voit tout de suite qu'il y a une dégradation de la nature des métaux. Hein, donc on va euh, dire, ben on passe de l'or au fer. Alors si on suit la symbolique, on va dire le euh, l'or c'est quand même très beau et puis le fer c'est quand même nettement moins beau. Encore qu'aujourd'hui il y a beaucoup plus de choses en, en fer qu'en or. Bon, l'or c'est pour les bijoux, c'est pour les lingots d'or euh, à la Banque de France. <laughs> Mais. Dans les civilisations anciennes, l'or était pour les dieux. On faisait des statues en or. Il n'y avait pas d'or en pièces d'or, bon, etc., etc. Donc, on sent que là entre une, deuxi une deuxième notion, qui est une, une notion de dégradation de cycle par la symbolique des métaux. Hein? Donc, dans les cycles hindous qu'on appelle un Manvantara, Alors, un Manvantara ça dure pas là. 25 920 ans, ça dure 64 800 ans, mais on va le diviser en âge d'or, âge d'argent, âge de bronze, âge de fer. Donc vous allez avoir un, un Krita Yuga qui est la première période, une deuxième, euh, voilà, euh, Treta Yuga, une troisième Dwapara Yuga et fameux kali Yuga euh, qui est l'âge final. Donc voyez, vous avez plusieurs notions. Vous avez une notion de cycle global, une notion de diviser en quatre parties symboliques euh, avec des, des métaux, ou des âges, hein, premier âge, deuxième âge, quatrième âge, toujours une symbolique de dégradation 4, 3, 2, 1, c'est-à-dire que la première période est toujours très longue. Deuxième, un peu moins. Troisième, encore moins. Et quatrième, très courte. Et heureusement, parce qu'elle est complètement infernale. Donc, heureusement que notre fameux Kali Yuga dure que 6480 années. Parce que si ça durait euh, 26 000 ans, ce serait euh, une épouvante absolue de supporter ça. Comme on voit la, la société actuelle, même quelques années, on a du mal à supporter, quoi. Euh, voilà. Donc, il y a. Il y a derrière donc, une troisième notion, c'est la dégradation cyclique. En gros, on passe d'un état idéal, on pourrait dire entre guillemets quasiment parfait, et j'allais dire on descend. On va vers la fin d'un cycle, donc le cycle se résorbe. Alors ce pas pour dire il faut tuer le cycle, il doit mourir, il faut lui tordre le cou. C'est qu'en fait le cycle a donné tout ce qu'il avait donné, il a été programmé pour faire faire à l'humain tant d'expériences. Les humains, pendant 26 000 ans, précession des équinoxes, ont fait telle et telle expérience. Dans le fameux Mavantara de 64 800 ans, a fait telle expérience. Quand toutes les expériences ont été faites, mal faites ou bien faites, peut-être mal faites, hein. mais en gros, le potentiel cyclique est fini, on passe à un autre cycle, on ne va pas recommencer ce qu'on vient de vivre. Hein. Donc, quand on arrive à la dégradation, en fait, on ne peut plus continuer. Tout est à bout de course, tout est à volo, tout est mourant. Voilà, L'organisme est détérioré, ça ne sert à rien d'essayer de le ranimer. Pour bien comprendre ça, on pense à un corps humain. Si vous prenez le corps humain, quand il naît, il est bébé, il a un jour, elle est parfait. À part une maladie congénitale, il est parfait, il est neuf, il est en pleine forme, etc. Peut-être quelques petites maladies des premières années il avance, Et puis, forcément, dès qu'il a un jour dix jours, 10 ans, il vieillit. À 10 ans, on s'en aperçoit pas, mais vous Trente ans, on vieillit. Cinquante ans, on vieillit. Quatre-vingt-quinze ans, un hein, très vieux. Et on meurt parce que l'organisme ne peut plus rien faire, le cerveau se dégrade, on a tous les alzheimer possibles et imaginables. Bon, on, on disparaît. La tradition va vous dire oui, on disparaît pour un renouvellement, c'est-à-dire c'est mort et résurrection. Donc, euh, vous enclenchez une nouvelle forme de vie. Vous allez dans l'astral, vous structurez telle chose, pensez telle chose, vous réincarnez. Pour les hindous, il avoir cycle de réincarnation, etc., etc. Donc, cette dégradation, elle est obligatoire. On peut pas éternellement rester dans l'âge d'or. Si les gens disent, bah, c'est bête qu'on ait perdu l'âge d'or et qu'on soit arrivé à l'âge de fer. Si vous avez un âge d'or éternel, il n'y a rien. Enfin, il n'y a rien. Il y a tout et il n'y a rien. Vous êtes dans la perfection éternelle. Ça ne peut pas bouger. Vous ne pouvez pas aller au-delà de la perfection. Euh, vous êtes dans l'absolu, vous êtes dans l'absolu. Et puis vous dites "On évolue comment On évolue pas. On évolue. Alors combien de centaines de milliards d'années bon, La perpétuité. Bon, on comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc toutes les traditions vont toujours dire c'est parfait au départ, puis ça se dégrade. Comme un corps humain qui passe de bébé à, à vieillard. Et puis voilà, ben, la civilisation vieillit, elle arrive à la fin, en déliquescence, disparaît. Mais alors là, il faut y croire. Certains ne les voient pas, ça sera suivi d'un nouveau cycle, voilà, qu'on appelle l'ère du verso dans notre système occidental de précession des équinoxes. Alors voilà ce qu'on peut dire, donc toutes les traditions expliquent ça. Bon, par exemple, si vous prenez la Bible, on va avoir la vision de Daniel, Daniel va voir un colosse. Euh, en fait, c'est l'interprétation d'un rêve de l'empereur de Perse. Il va dire, voilà, j'ai rêvé ça cette nuit, Daniel, euh, explique-moi un peu, parce que le fameux Daniel biblique est censé interpréter les songes, les rêves, etc. Et même l'empereur euh, de Babylone, je crois, recourt à lui. Euh, à, voilà, il lui dit, ben voilà, t'as vu un colosse, euh, un géant. Hein. Alors avec un, une tête en or, un, un thorax en argent, un bassin en bronze, des jambes en fer et des pieds en fer et en argile. Voilà. Et en fait, ça définit l'évolution cyclique. Il va lui dire, toi, tu es le premier empire, tu es la tête en or. Tu suivras notre empire qui sera le thorax, qui sera en argent, et puis on arrivera à une période qui sera le dernier empire, c'est plus le sien parce que lui aura disparu plus longtemps, qui sera un mélange de fer et d'argile, et on voit bien cette statue qu'on passe de l'or au fer et à l'argile, alors l'or, il y a cinq périodes au lieu de quatre, à la fin c'est plus totalement du fer, c'est un mélange de fer et d'argile, on est au niveau des pieds, et après on vous dit pourquoi, bon, justement prouver qu'il y a une rénovation de cycle, il y a une pierre qui arrive du ciel, qui frappe les pieds, qui dissocie l'argile et le fer, et qui fait s'écrouler la statue. C'est tous les empires qui se sont succédés qui disparaissent, et c'est tout le cycle qui est à terre. Bon, là c'est dans une version biblique. Nous on a une version, c'est sur des équinoxes, quand on arrive à la dernière ère zodiacale, c'est l'ère des poissons, c'est un signe mutable d'eau, c'est la déliquescence de tout donc on commence toujours au bélier un signe unique une forte tête bien sûr la tête de bélier mars c'est le printemps tout le monde sait que c'est mars-avril euh, le printemps on lance euh, toutes les énergies donc les, les feuilles poussent sur les arbres hein, les fleurs éclosent partout euh, etc etc euh, le soleil Commence à darder euh, ses rayons, donc c'est très très fort. Et quand on arrive la période, bien sûr, février, début mars, on est à la fin de l'hiver, ah bah c'est la déliquescence totale. Donc il y a une symbolique euh, qui correspond à des choses réelles. Quand on est dans le cycle des saisons, mais sur une année, on voit bien fin des poissons, renouveau du printemps, on passe des poissons, un signe d'eau à un, un signe de feu. Feu c'est toujours. Tout ce qui est dynamique, tout ce qui est puissant, tout ce qui est énergie, etc. Alors quand c'est au niveau de la précession, c'est une ère de plus de 2000 ans qui est bélier, qui est poisson, qui est... Remarquez au passage que quand on est dans la précession des équinoxes, on va dans euh, l'évolution des cycles en sens inverse du zodiaque traditionnel. Sens du zodiaque traditionnel, c'est... On ben, prend le je suis en bélier, puis en mai, je vais être en taureau, puis je vais être en jumeau, en juin, et puis etc... Et je vais arriver en poisson euh, à la fin, et que la précession des équinoxes, on passe taureau, bélier, poisson, verso. La précession des équinoxes va dans l'autre sens, et cette précession des équinoxes est réelle, c'est-à-dire c'est un phénomène astronomique réel. À la NASA, on va pouvoir vous dire, euh, voilà, on est à l'intersection poisson, euh, verso. Hein? Donc euh, c'est un phénomène astronomique et pas inventé. Hein? Euh, vous voyez Alors, quand on fait le bilan de tout ça, on s'aperçoit donc qu'il y a des cycles, bien entendu, qu'ils ont obligatoirement euh, une dégradation. Alors reste à savoir pourquoi il faut absolument une dégradation, euh, etc., etc. Euh, un renouveau. Alors c'est toujours un cycle évolution, dégradation, renouveau, évolution, dégradation, renouveau. Si l'on se base sur les enseignements de la tradition primordiale, on remarquera l'omniprésence de la dualité entre le bien et le mal. L'âge d'or, premier âge des quatre dans cette doctrine ésotérique, semble dépourvu de domination, de pouvoir, de souffrance. Tandis que l'âge de fer, dernier âge de ces cycles, est une période de totale corruption, de malheur et de conflit. Toutefois, puisque la fin de l'âge de fer est indispensable à l'essor d'un nouvel âge d'or, peut-on en déduire que la présence du mal et son accroissement permanent durant la décadence des cycles est indispensable à l'émergence nouvelle du bien absolu de l'âge d'or qui suit Alors c'est l'une des, des questions les plus complexes qui puissent exister. J'allais dire qu'on se pose des questions sur, sur le monde, la vie humaine forcément en rapport à ce cycle, s'il se dégrade, c'est qu'il y a une force de dégradation. À la fin, une vie très mauvaise. Donc, fatalement, il y a quelque chose qui ne va pas. Si on prend l'âge de faire, on voit bien où on en est aujourd'hui. Alors, on va constater violence, crime, perversion de la politique, pouvoir mal utilisé, égoïsme, je ne sais pas, des tas de choses. À presque toutes les euh, choses vicieuses qui puissent exister, alors que bien sûr, l'âge d'or, paradisiaque, hein, euh, sont censées, euh, les choses sont censées être parfaites. On arriverait donc à un extrême mal à la fin, alors que c'était un extrême bien euh, au début. Hein. Euh, voilà, comme quoi il y a une dégradation. Alors, pour le problème du mal, bon, bon, on dit, forcément, là, c'est toujours diversement apprécié. Euh, on ne conçoit pas de civilisation où, où il n'y ait pas eu un principe du bien, un principe du mal. Sauf aujourd'hui où c'est nié. Hein. Si vous dites quelqu'un fait le mal, on dit non, non, on peut pas employer ces mots-là. Il dévie un peu, ne respecte pas trop le, les lois, mais on peut pas dire qu'il est maléfique là, parce que forcément, comme il n'y a pas de Satan, pas de pas de mal, pas de ceci. L'individu qui égorge 36 enfants ne peut pas commettre le mal. C'est une caractéristique de la fin des temps. C'est la négation du mal lui-même. et Par lui-même, on, 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 on en est là. Donc, euh, Alors forcément, euh, toutes les religions ont discuté à non plus finir sur les notion de bien et de mal. Le, le mal est pour toujours finalement ce qu'on croit, euh, ce, selon ce que dit l'Église, hein, avec un Satan terrible euh, qui pense qu pervertir les âmes, les empêcher d'aller au paradis, tout, des choses comme ça. En fait, au départ, c'est le principe de dualité qui fait qu'il y a deux pôles, c'est-à-dire en gros, vous avez un absolu. Donc avant qu'il y ait une création, avant qu'il y ait des, des astres, une nature, des arbres, des hommes, etc., hein, il y a un absolu. Donc... Dans l'immensité de l'espace, cet absolu va penser à un univers euh, créé, matériel. On appelle ça, dans le jargon euh, des initiés, l'univers euh, manifesté. Il y aura un univers incréé, un puis un univers créé appelé manifesté. Et à partir du moment où vous êtes dans la manifestation, vous êtes dans la dualité. C'est-à-dire sinon les choses seraient figées. On sera encore, parce que c'est absolu. Si ça devient relatif. Ça aussi, toujours entre deux pôles. Alors qu'on appelle bien ou mal, ou positif, ou négatif, ou transcendant, ou immanent, ou tout ce que vous voulez. ...péjoratif par rapport au pôle, parce que c'est pas parce que c'est le pôle moins, ou le pôle masculin, ou le pôle féminin, que le pôle féminin est zéro. Parce qu'il y a une double polarité, il n'y a pas un... Bon et puis 1, 0. Euh, c'est presque équivalent, presque. Je dis presque parce qu'on va donner pour que ça fonctionne une préférence à un hein, des deux pôles. Hein? Donc par exemple on va dire il y a un pôle nord et un pôle sud, mais le pôle nord est quand même mieux que le pôle sud. La preuve, on ne parle que, que du pôle nord. On va dire il y a la droite et la gauche, et vous savez que les élus voient la droite de Dieu et les damnés à la gauche. Et on va dire de ma main droite, ben, c'est la main privilégiée. Si on est droitier, c'est la main On va dire un tel et les gauchers, est gaucher, c'est moins bon. Et puis on va dire, ben avec la main droite vous êtes à droite, avec la main gauche vous êtes gauche et donc mal à droite. Alors on peut pas traduire ça en politique, hein, parce que la gauche va être vexée. Mais en gros, <laughs> la droite serait bonne, la gauche serait mauvaise, entre guillemets, parce que quand on raisonne comme ça, on va dire, ben un pôle bon, puis un pôle moins bon ou mauvais, euh, ils sont absolument nécessaires, vous ne pouvez pas supprimer un des deux pôles. Si vous supprimez un des deux pôles, vous détruisez un équilibre, parce que c'est un équilibre entre les deux. En gros, il y a un pôle féminin, un pôle masculin, et vous ne pouvez pas dire j'enlève un des deux sexes, parce que tu ne plus que des hommes, il n'y a plus de femmes. Bon, il y en a qui veulent, mais on n'est pas là dans la tradition. Euh, et puis alors, on considère que s'il y a un dieu du mal, là, quasiment toute la religion... Nous, nous, on a Satan chez nous, c'est pas pas vraiment un Dieu. Mais, Saint mais dans les religions, vous prenez la religion égyptienne, alors il y a Osiris, c'est le Dieu très bon, puis il y a Seth, c'est le Dieu totalement infernal, tout ce qui s'en suit. Vous avez la même chose euh, chez les Aztèques avec les kohalt c'est le Dieu civilisateur, humain, euh, etc. Euh, bon, et puis, euh, c'est qu'Azlipoca, ok qui est Dieu perturbateur de l'univers, euh, destructeur des mondes, euh, pervertisseur des âmes, c'est dans, dans toutes les traditions de la Terre. Donc vous dites, il y a bien deux de polarités. Alors qu'on les personnifie ou pas, par un personnage, un Dieu ou pas, il y a deux polarités. Pourquoi Parce qu'il faut un jeu de bascule entre des forces X et Y positives et négatives pour faire le mouvement. En gros, ça enclenche le mouvement. Donc c'est un premier principe c'est dire qu'il y a eu deux pôles, il y a une dualité, et de dire que la deuxième polarité serait la force d'opposition. Et la force d'opposition serait après mal, appelée mal. C'est-à-dire en gros, il y aurait une force de principe, son contraire, qui bien sûr l'embête. Euh, euh, l'attaque la, a perverti, il y a une réponse, bon, ça crée un jeu de bascule comme ça, et l'univers avance, les civilisations se développent, s'écroulent, se, se reconstruisent, se refont, alors à un moment le bien l'emporte, à un moment le mal l'emporte, à un moment ça alors, bien entendu, pour revenir à la situation de cycle euh, du début, forcément dans l'âge d'or, les forces positives l'emportent, énormément, j'allais dire à 99,99%, ,99%, il y a tout un brillant de mal qui a quasiment pas de possibilité de s'exprimer, et au fur et à mesure, il s'exprime, il se développe, et plus vous passez les fameuses aires dont je vous ai parlé tout à l'heure, quand vous arrivez à la fin de l'âge de fer, euh, c'est les forces de l'autre polarité qui dominent totalement. D'où ce qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, vous cherchez désespérément un bien, une bonté quelque part. Il y en a, hein. il y a toujours un noyau, parce que ça ne disparaît jamais. Ça voudrait dire qu'il y a une polarité de supprimer. Mais elle est, envieuse, elle est écrasée, euh, euh, voilà, elle, est, elle est dénigrée, et tout ce qu'on veut, euh, etc. Donc on voit bien qu'il y a une inversion. Mais un jeu de bascule, enfin, sinon, ça va se rétablir de l'autre côté. Parce que une des polarités, tant que le monde est créé existe, le monde créé existe, à ah, moins de l'annihiler complètement, tant que ce monde existe, obligatoirement, il y a deux polarités. Alors, ça se voit très bien dans le symbole chinois du yin-yang. Vous avez le yin et le yang, à deux polarités. Et puis, dans la polarité noire, vous avez un point blanc, et dans la polarité blanche, vous avez un point noir. Et puis, l'un domine sur l'autre, et quand un domine trop, fatalement, vous avez le rétablissement d'équilibre. C'est-à-dire que ça repart dans l'autre sens donc ça laisse un espoir aux humains en disant là le noir ou le blanc euh, avance énormément, c'est un peu trop c'est extrême, donc parce que le but c'est toujours les deux plateaux de la balance totalement équilibrés ce qu'on ne réussit jamais, il y a toujours une oscillation hein, à un moment une force emporte sur l'autre euh, etc, etc donc ça fonctionne comme ça hein. donc c'est donc très curieux hein, bien entendu, alors cette dégradation des cycles à une question qu'on pose très souvent mais est-ce qu'il y a eu un âge d'or pendant un temps de milliers d'années et puis soudain un jour une, une autorité divine aurait dit bah, on arrête l'âge d'or aujourd'hui on passe à l'âge d'argent demain, <laughs> et puis pareil pour l'âge du bronze à l'âge de fer euh, ça se passe pas comme ça c'est-à-dire fatalement comme ça se dégrade à la fin de l'âge d'or on a déjà une dégradation c'est plus tout à fait parfait on sent que ça va chuter, et on a l'âge d'argent qui suit, euh, ça s'effiloche un peu au fur et à mesure. Hein. Donc en fait, <laughs> c'est très curieux de parler comme ça parce qu'on n'a pas tellement de preuves. Il hein. euh, y aura un âge d'or de l'or, l'âge d'or d'argent, l'âge d'or de, de, de fer. En gros, la dernière partie de l'âge d'or serait déjà la transition vers l'âge d'argent. Et alors quand on est à l'âge de fer, ben, on pourrait trouver un âge d'or dans l'âge de fer, ce serait la première partie. La deuxième partie ça correspondra à un âge d'argent, mais dans l'âge de fer. Et à la fin, là, notre époque, on serait dans l'âge de fer de l'âge de fer. Le fer du fer. Donc vous ne pouvez plus aller au-delà de la dégradation hein, cyclique. Hein? Et on, se voit, on voit bien dans notre euh, civilisation, dans les 6000 dernières années d'histoire, si on prend le Kali Yuga, en gros, c'est 6480 ans. Donc en gros, ça commence en 4000 et quelques avant Jésus-Christ et 2000 et, et, et quelques après. On voit bien que les civilisations d'avant Jésus-Christ sur, sur 4000 ans étaient des civilisations brillantes. On était déjà le, dans l'âge de fer par rapport à l'âge d'or, elle va de quasiment plus rien. Mais vous avez Sumer, vous avez civilisation d'Indus, vous avez euh, l'Égypte. Ah, vous voyez des fresques égyptiennes, les peintures, les, les histoires d'Isis, Osiris, c'est grandiose. Vous voyez le temple de Karnak. Les pyramides. Dans l'Antiquité, c'est primitif. Est-ce qu'en 3000, 4000 avant Jésus-Christ, vous êtes censés être des chasseurs-cueilleurs, de maigres agriculteurs sur les bords du Nil Vous montez des pyramides, vous créez des, des colonnes de 20 mètres de hauteur à Carnac, vous dites, mais c'est pas possible. c'est pas le peuple qui euh, cultive des légumes sur les bords du Nil qui peut faire un, un, un truc pareil. Et pourtant, le résultat, il est là. Puis après, vous dites le Moyen Âge, c'est quand même un petit peu moins bon. Et puis, alors, euh, bah, le 19e siècle, 20e siècle, c'est... pas bon, moment. alors aujourd'hui, euh, bon, euh, c'est la décadence totale. Euh, alors, toujours qu'on parle de décadence, alors là, voilà encore une notion très très importante, c'est que quand on parle de décadence cyclique, euh, l'homme de la rue, l'homme de la rue veut dire, où oh, vous voyez une décadence. Euh, parce qu'il y a le progrès technique, parce que... On vole en avion parce qu'il y a l'informatique par, par rapport à ceci. Donc, il y a un progrès. Il est co-scientifique. Progrès moral, vous le cherchez désespérément. Mais bon, déjà, au moins, les scientifiques, Donc, il y a un progrès. Alors, comment vous pouvez parler de décadence? On parle toujours de décadence par rapport à comment un idéal en soi. C'est-à-dire, si la première civilisation était parfaite, qu'est-ce qui faisait sa perfection et qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? En sens-là, il y a décadence. Hein donc, les, cette symbolique des métaux l'explique les, les très bien, et puis certains vont vous dire, oui, mais votre âge d'or d'origine, euh, on n'a pas de traces, pas de preuves, et ça n'a pas existé. Bon, Alors, on veut bien, bon. euh, quand même toutes les traditions en parlent. C'est symbolisé par le paradis hein. Une tradition. Au début c'était un paradis, c'était idyllique, les hommes cultivaient la terre, euh, ils s'abreuvaient à l'eau pure des cascades <laughs> et même si vous suivez l'histoire de l'Éden dans, dans la Bible, euh, l'homme parlait aux animaux, euh, discutait avec et Dieu ah bah, venait euh, visiter ces créatures et parler ensemble et après bah justement quand on est sorti du paradis, on est sorti de l'âge d'or, euh, c'est exprimé par le mot chute. La chute veut dire qu'on perd le paradis. Qui reste nostalgique dans toutes les civilisations. Comment retrouver le paradis perdu, <laughs> etc., etc. Mais on voit bien, même si c'est que symbolique, parce qu'on n'a pas de traces archéologiques de ce fameux jardin d'Éden, mais que vous retrouvez dans la tradition grecque avec le jardin aux pommes d'or, des espérides. C'est la même chose, c'est le paradis terrestre pour les Grecs, euh, 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 etc. Le paradis était au départ. Alors, c'est très curieux, parce que toutes les civilisations de la Terre vous disent que c'était idyllique quand ça commençait, et que c'est complètement infernal à la fin. Mais nous, notre civilisation technico, technocratico, technique et matérialiste, va vous dire, bah, on part d'un point zéro, où les hommes chassaient le mammouth et puis euh, après ben il y a eu des esprits un peu évolués qui ont trouvé certaines lois physiques, ont inventé le commerce, qui ont qu on commencé à construire des villes, bon, on arrive aujourd'hui, on fait des gratte-ciel et puis euh, on va en avion. imaginer le progrès. Alors c'est toujours une question qui est débattue comment il peut y avoir progrès et des cadences cycliques des temps <laughs> C'est que c'est pas sur le même plan que ça se passe. Euh, le progrès Réel, technique, matériel, et bon, on peut pas le nier. À un moment, on taillait des silex et aujourd'hui, euh, bon, on crée des satellites artificiels pour on avoir des, des sondes vers Pluton. On peut pas dire qu'il n'y a pas de progrès technique. Sauf qu'il est technique. Mais si on parle de progrès spirituel, moral, philosophique, culturelle, etc., il n'y a plus rien. Au contraire, on va chercher désespérément le philosophe aujourd'hui, on va chercher désespérément le rayonnement de la culture. Bon, c'est toujours juste si on vous dit encore Il y a de la culture aujourd'hui. Il y a ce qui reste de la culture dans notre société occidentale. Le progrès moral, c'est même pas la peine d'évoquer le sujet. Donc on voit bien qu'en fait il y a deux courbes inversement proportionnelles. Et qu'elles s'expliquent logiquement l'une par l'autre. C'est moins vous avez de valeur spirituelle, plus vous avez de la place pour la technique. C'est-à-dire qu'il faut compenser la perte de l'un par l'autre. C'est-à-dire si l'homme n'est plus heureux parce que moralement, culturellement, fraternellement, euh, euh, etc., il est plus satisfait, on lui donne des gadgets techniques à la place. Donc on va lui dire, bah voilà, regardez, vous pouvez voler en avion, alors imaginez le rêve de voler. Hein. Depuis l'Antiquité, euh, voilà, vous appuyez sur un bouton, vous avez de la lumière. Est-ce que vous avez de la lumière, besoin de la lumière transcendante de l'esprit, alors que vous avez l'électricité Mais un sage dans la tradition primordiale vous dira qu'est-ce que c'est que la lumière du courant électrique par rapport à avoir l'illumination, c'est-à-dire la lumière transcendantale. Il n'y a aucun rapport. Mais on remplace l'une par l'autre. Mais les humains d'aujourd'hui sont tellement égarés. Que c'est pratiquement pareil. <laughs> bon, voilà ce qu'on peut dire sur le, sur le sujet. Vous voyez que c'est très très, euh, j'allais dire explicatif. On a, je ne veux pas dire qu'on a réponse à tout, mais la tradition explique un peu euh, la mécanique euh, de l'évolution des mondes. La tradition primordiale s'inscrit donc dans un immense plan temporel, et les quatre âges qui la composent sont extrêmement clairs et précis, tant sur les idéologies et les valeurs qu'ils véhiculent que sur les durées. Pourtant, si dans cette doctrine tout semble régi et ordonné avec la minutie d'une horloge suisse, la répartition temporelle de chaque âge n'est pas identique. Les différents âges, se succédant, sont de plus en plus courts, subissant une sorte d'accélération temporelle. L'âge de fer, par exemple, le dernier de ce cycle complet, dure 6200 ans, mais pourtant il ne représente que le dixième du cycle complet. Nous sommes actuellement à la toute fin de l'âge de fer. Nous sommes donc par conséquent à la fin de cette période de 6200 ans, qui achève le grand cycle des quatre âges. On remarquera que cette période de temps de 6200 ans correspond en réalité à notre propre civilisation, avec l'émergence des grandes cultures mésopotamiennes, égyptiennes et l'apparition de l'écriture. Partant de ce principe, et en se basant sur les différents mythes de notre histoire, comment et à qui pourrions-nous attribuer les âges précédents? Les grandes civilisations de l'Atlantide, de Mou ou l'Hyperborée peuvent-elles être marquées elles aussi par les différents âges de la tradition primordiale. Toutes les personnes s'intéressant à ce sujet et n'étant pas spécialistes de, de, de ces sujets posent toujours la question on entend parler des Atlantes, on entend parler du continent perdu de Mu, et on entend parler d'Hyperborée, quand on connaît un petit peu ces sujets. Comment ça se classe dans, dans l'évolution des temps euh, Est-ce qu'on peut déterminer des périodes Et est-ce qu'on peut euh, donner une chronologie alors, c'est très compliqué, parce que si nous, là je vous dis, depuis 6000 ans, on est dans le Kali Yuga, et pour vous dire, on peut vous dire telle chose, ça s'est passé en 1250 avant Jésus-Christ, par exemple, le règne de Rapsès, bon, etc. Et puis au 5e siècle, il, il s'est passé des invasions barbares, on a une chronologie. Quand vous êtes dans les 20 000 avant Jésus-Christ... Euh, quand vous êtes au moment de l'Homo sapiens, 30 à 40 000 ans, Jésus-Christ, euh, voilà, quand vous avez un cycle, à un dieu appelé Manvantara, euh, 64 800 ans, qu'est-ce qui a bien pu se passer, euh, en so 60 000 euh, par rapport à aujourd'hui? Bon, alors, c'est, très vague. Alors, c'est très facile de dire, si on prend le dernier cycle, c'est-à-dire âge d'or jusqu'à âge de fer, du dernier cycle, donc, de 64 800 ans, on peut dire, l'âge d'or, ça correspondrait à la civilisation de donc la civilisation nordique hein, située au niveau de l'arc de la, de des pôles du de cercle polaire nord, euh, voilà civilisation extrêmement brillante avec des sages des, des philosophes et tout ce qui s'en suit, respectant les principes de, de la tradition, bah, ça correspondra à l'âge d'or de notre, de notre dernier siècle. Là. Donc après la limurie Mu, ça serait l'âge d'argent les Atlantes, ça serait l'âge de bronze d'ailleurs on les surnomme les guerriers de l'âge de bronze et avec l'âge de bronze disparaît l'Atlantide et puis on a la dernière période avec le, nos égyptiens, grecs, celtes etc. de, de l' Antiquité. Bon, alors est-ce qu'on peut le dater, Parce que l'hyperborée durait de telle date à telle date et qu'il s'est passé telle chose telle année On ne peut pas. C'est à l'origine du, du cycle, mais le dernier cycle en cours, c'est-à-dire le cycle de 64 800 ans, le dernier. Mais est-ce qu'il y en a eu avant Est-ce qu'il y avait des civilisations dans les cycles d'avant Et vu l'ancienneté totalement disparue Bien entendu, de la surface de la Terre, si elles ont existé. Alors, est-ce qu'un jour on peut retrouver dans une couche de terrain très profonde, au, au fond d'un lac, au fond des, des océans, des objets qui seraient d'une civilisation complètement inconnue, complètement incompréhensible Imaginez qu'on retrouve un jour les ruines de la cité de poésie de Nice, capitale des Altempes. On dirait, ben, vous voyez bien, alors on... Euh, nos savants datent, alors euh, c'est par exemple 8000 avant Jésus-Christ, 1000 avant Jésus-Christ. Bon, bah, visiblement, c'est antérieur, au hein, antérieur aux Grecs, antérieur aux Égyptiens, tout ce qui s'ensuit Bon, on aurait ça. Alors là, on est dans la dernière civilisation atlante. Alors, Hyperborée, c'est encore avant, euh, Mu, c'est encore avant. Alors, on en a des traces quand même, mais justement, dans les écrits, dans les légendes, dans les chroniques, il fut un temps, euh, ben, il y avait la civilisation arctique d'Hyperborée. Du temps où d'ailleurs... Euh, dans l'Arctique, il faisait euh, 26 degrés. <laughs> non, pas en dessous de zéro, mais au-dessus. Hein Donc, forcément, les climats n'étaient pas les mêmes. Euh, tout ce qui s'ensuit, ben, l'aspect de la Terre n'était peut-être pas la même, mais, euh, le même, hein, etc., etc. Donc, on voit bien qu'on peut pas juger ce, ce genre de choses. Euh, ça n'a peut, peut-être pas d'importance pour, le, pour la réflexion d'aujourd'hui non plus. Parce qu'on peut dire, en gros, les civilisations se sont succédées. Une était super brillante, une un peu moins brillante, une encore moins. Les atlantes ont complètement dégénéré à la fin. Ils sont presque responsables de l'effondrement de leur propre empire se livrant à, à comment à des manipulations des courants euh, énergétiques et autres à la magie noire et tout ce qui s'en suit. En gros, c'était très beau, l'origine de la civilisation atlante, très mauvais et en décrépitude à la fin. Ah, D'où l'effondrement. Alors comment on peut dater Alors là, on date un petit peu parce qu'on se dit tiens, les Égyptiens et Platon ont parlé des attentes Donc c'était pas très longtemps avant eux. Alors la tradition veut qu'ils aient été euh, détruits par le déluge, fameux déluge biblique ou enfin déluge universel, déluge de ceci, de cela. Alors pour dater ce fameux déluge, c'est hein, un peu compliqué puisque ça va de 8500 avant Jésus-Christ à 10-11 Donc il y a une fourchette large quand même, hein. mais on pense. Alors soit le phénomène est naturel, c'est la dernière glaciation, et les, tous les glaciers qui descendaient quasiment jusqu'au nord de l'Europe, presque jusque dans les Vosges, Lorraine, etc., pour la France, euh, ces glaces ont fondu. Forcément, ça fait remonter le niveau des eaux de 100 mètres. Donc forcément tout ce qui pouvait être sur les bords de côte et des îles. Alors on dit que ah, l'Atlantique, c'est un archipel dans l'Atlantique. Donc forcément, très peu au-dessus des eaux s'étaient submergé, mais presque toutes les, les côtes euh, d'Europe, d'Occident, hein, hein, etc. Donc ça serait lié à un phénomène purement géologique de fonte des glaciers. D'ailleurs, on y est aujourd'hui, puisqu'on voit que les glaces des pôles fondent par arriver le même tour. Mais enfin, là, ce serait très lent. On aurait eu le temps de voir les eaux remonter. Et donc les attentes auraient créé des colonies en Méditerranée, dans l'Atlas, les bords des côtes européennes. On dit qu'ils sont à l'origine de la civilisation égyptienne, qui est l'héritage euh, de l'Atlantide. Bon, euh, bien sûr, hein, c'est possible. Sinon, c'est une pure catastrophe. C'est un tsunami, c'est un machin qui a cassé complètement les îles par des des, des éruptions volcaniques sous-marines, euh, bon, etc. Ou un écartement, la faille qu'il y a dans le milieu de l'Atlantique, là. Une gigantesque faille hein, qui va du pôle nord au pôle sud, qui coupe l'Atlantique en deux. Euh, la, forcément, l'archipel de l'Atlantique dépend dessus. Bon, ça aurait craqué de tous les côtés. Plus vagues de submersion, de tsunami, etc. La troisième hypothèse, c'est euh, l'astéroïde. Il y aurait eu un astéroïde, une comète qui serait tombé dessus, bon, qui aurait complètement tout détruit. Alors, il y aurait, comme d'habitude, des survivants. Les survivants prennent les dernières embarcations, les bateaux, peut-être des vaisseaux volants, si on dit que les attentes maîtrisaient le vol dans l'espace, et arrivent au Tibet, en Égypte, en Europe, etc. etc. Alors, c'est très, très difficile à juger. C'est à peu près certain qu'il y a un scénario de ce genre, puisqu'on dit que l'Atlantide a été détruite en trois fois. Donc il peut y avoir soit trois fléaux, soit, euh, bon, euh, il y a eu un moment de rémission, une deuxième catastrophe, euh, euh, etc., etc. Alors, dans les chroniques anciennes, c'est un peu mélangé, puisqu'on parle à un moment que les Grecs euh, auraient livré bataille aux Atlantes. Alors, si on pense à nos Grecs de la de Troie, bon, on est très très proche de notre époque, il y a longtemps que l'Atlantide aurait dû disparaître. Si elle est contemporaine du, du déluge, c'est-à-dire antérieure à, antérieur à 8000 avant Jésus-Christ. Euh, et les Égyptiens, il y a un temple qui s'appelle abou et à abou sur les, des sculptures, des fresques sur, sur un mur, vous avez des guerriers qui combattent des Égyptiens. C'est d'ailleurs les Égyptiens qui gagnent contre des guerriers qui ont des casques à pointe avec des cornes et, et des armures qui ressemblent à des guerriers nordiques, à des, à des sortes de Vikings. On est, un, je sais pas combien de siècles avant Jésus-Christ. Alors, on surnomme dans les chroniques ces peuples les peuples de la mer qu'on assimile aux attentes. Mais est-ce que les peuples de la mer sont des attentes Il se pourrait que ce soit les peuples d'Europe occidentale, de Scandinavie, etc., qui ont déferlé sur l'Orient, sur qu'on appelle des pélages. Alors, est-ce que les pélages, les pélages sont des descendants de l'Atlante ou pas Ça, on ne sait pas trop. Euh, donc, on les a assimilés un peu trop facilement, peut-être, à des Atlantes. Mais il est certain que, vu. Le développement de la civilisation égyptienne ou grecque tout d'un coup, hein. parce qu'on voit les premiers pharaons, etc. Bon, ils sont déjà très évolués. Les pyramides, elles sont pas de la fin de l'histoire de l'Égypte. On se dit, ben, on a élaboré des monuments, puis à la fin, on est arrivé à la perfection, donc on a mis les pyramides de parce qu'elles sont du départ. Si la civilisation égyptienne commence à environ entre 3200 et 3500 avant Jésus-Christ, les pyramides sont de 2750 à 2800, on est au début de l'histoire égyptienne où on est considéré voir un peuple totalement primitif dans la vallée du Nil. C'est impossible de construire des pyramides orientées par rapport aux étoiles en même temps. Donc, les hypothèses sont claires où il y a un héritage de tente, où il y a une révélation auprès des sages en disant, ben, voilà comment euh, on orientait les monuments, où il y a une chose inconnue. Et dernière euh, question et dernière réponse en même temps, euh, si on peut conclure là-dessus, c'est que ce dernier cycle de précession des équinoxes de 26 000 ans, ce dernier Manvantara de 64 800 ans, est bien sûr précédé d'autres cycles. C'est-à-dire, il y a eu... Des dizaines de cycles avant, parce que la Terre n'a pas commencé il y a 64 000 ans, elle n'a pas commencé il y a 26 000 ans. Quand on retrouve des squelettes qui ont 2 millions d'années, euh, quand on retrouve des roches qui doivent avoir 4 milliards d'années, la Terre est bien plus ancienne. Est-ce qu'il y aurait eu des civilisations antérieures à toutes celles-là avant bah, Sûrement, à moins que la Terre soit toujours vide pendant 4 milliards d'années, sûrement, quelle trace il peut y en avoir Aucune. Aucune ou des incongruités, quand on va des objets métalliques dans des couches de roche qui ont à 50 000 ans, on dit, tiens, euh, c'est usiné main, ça ne peut pas être la nature qui a fait des métaux dans une couche de calcaire, il y a un truc. Mais bon, là, là on n'a pas de preuve. Et puis alors, comme vous savez, on ne va pas épiloguer là-dessus, on y passerait toute la durée de, de l'intervention. Euh, la science officielle met le coup de là-dessus. <laughs> Il peut paraître difficile de concevoir cette doctrine dans un schéma temporel répétitif. Il est vrai que pour notre civilisation, la vision du temps ne s'applique concrètement que de deux manières principales. Le temps est donc soit linéaire, à l'image de la vision occidentale moderne, poursuivant sa course inexorable et marquant une évolution permanente, plaçant le moment présent comme un point sur une droite se dirigeant vers l'avenir et fuyant le passé, soit cyclique, à l'image des visions temporelles méso-américaines par exemple, où le moment présent sera un point se déplaçant sur une boucle temporelle, mais où le futur laissera place au passé, jusqu'à ce que la boucle soit bouclée, offrant de nouveau une vision du futur, le tout se répétant de manière cyclique. Ces deux visions du temps ne permettent pourtant pas d'appréhender correctement les différents événements de notre histoire, ni les évolutions possibles. Le problème vient certainement du fait que ces deux visions temporelles sont exclusivement en deux dimensions. La ligne droite et le cercle sont en effet des représentations en 2D comprenant une largeur et une hauteur. Or, notre monde réel est quant à lui en trois dimensions, possédant une hauteur, une largeur et une profondeur. Il existe donc une incohérence notable entre notre vision du temps et la concrétisation réelle du monde auquel cette vision se rapporte. La réponse se trouve peut-être tout simplement à la fois dans la vision cyclique et linéaire, car si nous fusionnons ces deux idées et que nous les replaçons dans un contexte en trois dimensions, nous obtenons une vision du temps spiralaire. Outre son rapport symbolique à la molécule d'ADN, essence même de la vie liée intrinsèquement au temps, cette vision temporelle en spirale permet à la fois de cumuler la course du temps, marquant un passé et un futur linéaire, mais également d'y comprendre la notion de cycle répétitif et progressif, tel que transmis dans la doctrine de la tradition primordiale. Euh, moi j'en suis arrivé à voir que les choses avaient lieu en même temps. Et la preuve, c'est ce qu'on voit. Si on croit à la tradition, on va dire, bah, écoutez, vous aviez une perfection au début, ça se dégrade, alors aujourd'hui, il ne devrait plus rien avoir, qu'un chaos, euh, qu'une invraisemblable chose, euh, voilà. Et puis, en même temps, on constate quand même, euh, c'est obligatoire, et on ne peut pas nier, euh, qu'il y a un progrès, la fameuse notion de progrès, euh, après mise à jour euh, au XVIIIe siècle, vous savez, la philosophie de, 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 des Lumières, c'est après la stagnation euh, médiévale, de croire au progrès. Dans leur idée, le progrès des sciences et des techniques qui avait déjà lieu au XVIIIe siècle s'accompagnait d'un progrès mental, philosophique, en gros la révolution des mentalités, et en même temps ça devait amener une révolution politique, sociale, culturelle, spirituelle, morale. En gros le progrès technique devrait être accompagné en même temps d'un progrès moral, les périodes d'avant étant sujettes à la superstition, aux croyances ridicules de quelques démons et autres que ce, que ce soit. Or, visiblement qu'on voit la situation actuelle, euh, il y a progrès technique, il n'y a pas de progrès moral du tout, ils sont même en immersion. Alors, il est bien certain que si on prend la thèse euh, officielle, ce qu'il faut savoir au passage, on ne va pas épiloguer là-dessus non plus, qu'il y a une histoire officielle, une science officielle, une archéologie... Archéologie officielle et vous pouvez pas trop dire le contraire de ce que les grands euh, pontes de ces milieux-là disent. Bon, il y a maintenant une doctrine sanitaire officielle, Pff, toute dissidence et, et sabré. Mais ça, c'est toujours dans la fin des temps euh, l'officiel, structure carré, machin idéologique. Euh, fanatique j'irais presque l'emporte sur n'importe quelle nuance découverte euh, et, et tout ce qui s'ensuit donc forcément apparemment ça paraît contradictoire il euh, y a un progrès euh, matériel technique économique et tout ce qui s'ensuit bah, Indéniable, on passe de la taille des silex à la pierre polie, euh, aux poteries, aux fresques, aux peintures, euh, la construction de, de temples, de monuments, de colonnes, euh, etc., etc. Du cathédrale gothique, euh, l'art de la Renaissance. Et puis après, on, on fait de, on, donc de l'ère de la métallurgie, du, euh, les avions, trains, euh, satellites et voilà, et on marche sur la Lune. On passe de la taille du silex à la marche de, de, sur la Lune. Bon, comment on pourrait dire il n'y a pas de progrès On peut pas rester éternellement. Ce qui prouve qu'il y a une évolution d'ailleurs à la taille des silex. Bon, ça a été des milliers d'années quand même. Quand on voit le nombre de silex qu'on retrouve dans les carrières et dans les sites archéologiques préhistoriques aussi, bon, pendant des milliers d'années. Des... Notre période est très courte hein, parce qu'on voit bien que la période de progrès, c'est les deux derniers siècles ces trois derniers siècles. Bon, avant, on fait de l'agriculture pendant des milliers d'années. Alors, comment c'est compatible avec la tradition qui vous dit au départ, il y avait quelque chose de sensationnel, d'idyllique, de parfait, des d'écradation, il n'y a plus rien à la fin. Euh, bon, ben, déjà, on peut constater, comme on a dit tout à l'heure, que le progrès est, est matériel et la décadence est spirituelle. Bon, là, c'est flagrant dans, dans ce qui se passe aujourd'hui. Alors, il faut savoir que quand on parle de cycle... On dit, ben voilà, il y a un cycle de 26 000 ans, ça fait sa boucle. On parle de, de l'ère du Verseau jusqu'à l'ère des poissons, puis on fait l'ère du Verseau. pour ça qu'on parle de, on va rentrer dans l'ère du Verseau, c'est impropre en idéologie, parce que c'est le premier signe, ça sera suivi du Capricorne et d'autres signes, on fait 26 000 ans, on a une charnière de deux cycles de, de 26 000 ans qu'on arrive aux au poissons. Est-ce que c'est le même cycle qui se répète à chaque fois Ben non on va à part faire 26 000 ans d'histoire qu'on vient de faire. On est censé avoir acquis quelque chose par l'expérience. On va passer dans l'ère suivante avec le bagage issu de l'expérience. C'est-à-dire, on va détruire matériellement le monde. C'est ça l'apocalypse, la destruction des empires, des rois, du, du pouvoir tel qu'il fonctionne. Mais on sauve l'expérience humaine qu'on va réintroduire dans une nouvelle religion. Les, Nouveaux grands esprits qui vont fonctionner repasse à autre chose. Est-ce que le cycle suivant de 26 000 ans est le même, ce qu'on pourrait appeler un éternel retour Non, parce qu'on n'évolue pas. Donc en fait, on refait un cycle, mais au-dessus. Donc forcément, ça fait quelque chose de spiralé il y a un embranchement. Le deuxième cercle est au-dessus le troisième cercle au-dessus le quatrième cercle au-dessus. Et donc vous avez une évolution cosmique de multi-cycles spiralés. En effet, d'ailleurs, les hindous disent que ça forme une conque. Donc c'est comme ça, ça se perd dans la nuit du temps, bon, c'est un peu comme ça. Alors c'est pareil pour le, notre système solaire, notre galaxie. C'est-à-dire on dit le Soleil, il a fait un an, ou dix ans, ou cent ans, et bon, il est là, dans le de la galaxie, les planètes tournent autour, elles ont un cycle, elles ont une orbite, Mars tourne en temps de temps, Jupiter en temps de temps, mais euh, d'année en année, de, de siècle en siècle, le système solaire de la galaxie est plus au même endroit c'est-à-dire que notre système solaire, mais tous les autres systèmes solaires, dans la galaxie, ils tournent. Ils tournent par rapport au centre. Et la galaxie elle-même, elle tourne. C'est-à-dire qu'à un moment, si on voyait l'espace par l'extérieur, bon, c'est impossible mentalement, mais l'espace par l'extérieur, le système solaire est là, puis il est là, puis il est là. Bon, on vous vous dites, bon, on n'est on est jamais au même endroit, donc forcément, il y a peu. ça explique peut-être... Il y ait des changements d'air, changement de civilisation. À un moment, on passe peut-être près d'un système solaire avec d'autres civilisations. Paf, ils peuvent rentrer dans le alors Enfin, j'ai des trucs à raison là. Mais il y a rien de figé. Alors, forcément, vu dans cette conception-là, euh, c'est totalement différent de ce que nous on dit, ce que nos scientifiques disent. C'est-à-dire que le progrès ne peut pas être linéaire. On ne peut pas de siècle en siècle ben, monter un escalier comme ça parce que c'est tourné. Alors, ça fait des hauts et des bas à l'intérieur. On voit bien euh, au Moyen-Âge, le, le bas Moyen-Âge, c'est l'ère gothique, on rechute après, 14e, 15e siècle, c'est épouvantable, vous hein. j'avais la peste noire, la guerre de cent ans, tout ça en Europe. Hein. Vous remontez, comme son nom l'indique, à la Renaissance, vous rechutez euh, le 17e siècle, vous remontez les deux derniers siècles, hein, etc. etc. Donc ça fait ça, mais ça fait ça en tournant, je ne sais pas si vous voyez le schéma avec les douces, et ben bon il hein, faudrait une animation, etc. Tout en étant en forme spirale. C'est l'évolution sur des millions d'années. C'est pas ça que dans l'Antiquité, euh, on parlait de cycles de millions d'années. De millions d'années de cette évolution euh, de la Terre et du cosmos, c'est pas euh, d'une société particulière qui, elle, dure toujours un laps de temps court. Bon, une civilisation, même comme l'Empire romain, bon, ben, elle durait quelques siècles. Après, curieusement, tout d'un coup, ça s'effondre. Comme quoi, il y a bien un effondrement, quelle que soit la perfection de l'Empire au départ. Bon, l'empire chinois, pareil, hein, au début parfait, euh, euh, etc. Toutes les doctrines, la Otsu, le taoïsme, le, le yin yang le yi etc. Puis à la fin, euh, euh décadence, ça dure plus ou moins longtemps. Vous avez des empires qui durent mille ans, des empires qui durent 500 ans. Des, et puis, bon, bah tous désagrège, comme quoi il y a toujours une loi de vie, mort et résurrection. C'est une loi fondamentale. C'est-à-dire la loi humaine, c'est vie, mort et résurrection, et la loi cosmique, c'est vie, mort et résurrection. Alors forcément, si on ne croit pas qu'il y a une résurrection, que la mort est un arrêt final de tout, c'est ce que croient euh, nos, nos scientifiques. Après la mort, il n'y a plus rien. Pour bon, déjà, ça désespère les gens, parce que... Il n'y a pas de suite, alors autant de profiter à fond de tout ce qu'il y a maintenant, puisqu'il n'y a rien derrière, ça ne sert à rien que je me prépare une vie idyllique dans l'au-delà, puisqu'il n'y a pas d'au-delà, forcément, vous vivez au jour le jour, dans une conception totalement matérialiste du monde, mais euh, la matérialité euh, des choses, c'est la caractéristique de la fin des temps, c'est fait exprès. D'innombrables peuples de notre planète, sur l'ensemble des continents et à différentes époques, font mention de la création de notre espèce. Si les créateurs sont généralement placés au rang de Dieu par ces civilisations diverses, il en ressort pourtant une idée commune. Dans toutes ces cultures, les hommes ont été créés par des êtres célestes, des individus venus d'ailleurs, d'autres étoiles, d'autres constellations. La création de notre espèce, à l'instar des textes mésopotamiens où les Anunnaki, originaires de la planète Nibiru, auraient volontairement créé notre espèce en hybridant leur propre génome avec celui d'hominidés primitifs de la Terre, peut donc être perçue comme une ingérence extérieure à l'évolution naturelle de la vie. D'après ces textes, l'espèce humaine ne serait pas légitime, mais issue d'un croisement artificiel entre différentes races d'hominidés. Cet acte, allant à l'encontre premier de la volonté naturelle, peut-on y percevoir une notion du mal, un affranchissement des règles immuables de la vie, dans le but de créer la vie à la place de la volonté créatrice Pourtant, que cet acte soit le fruit du mal ou la simple volonté du tout, ayant délégué à autrui la possibilité d'engendrer des espèces, cela nous offre aujourd'hui la possibilité d'être présent, vivant, et de faire partie de cette magnifique et grande histoire de la vie. Compte tenu de l'omniprésence planétaire dans les textes antiques et religieux de la présence de dieux créateurs ou instructeurs de l'humanité, est-il possible que notre espèce, tout comme les différentes humanités nous ayant précédés, ait été créée ou aidée dans leur développement par des races exogènes devenues par la suite des dieux aux yeux des hommes Si l'on se base sur les écrits sumériens reconnus aujourd'hui comme les plus anciens textes officiels de notre époque, les dieux Anunnaki, et en particulier Enki, seraient à l'origine de la création de notre espèce. Pourtant, ces dieux ne seraient en réalité que des individus exogènes, beaucoup plus avancés, tout comme nous pourrions l'être nous-mêmes si nous colonisions une planète peuplée d'humanoïdes simiesques primitifs. Est-il possible dès lors que les autres grandes civilisations des différents cycles aient elles aussi eu un lien avec des races exogènes L'illustre civilisation de Mou, par exemple, s'étant développée dans l'océan Pacifique, semble fortement liée pour sa part aux lyriens, une civilisation exogène spirituellement très avancée, originaire de la constellation de la lyre. Les hommes-oiseaux qui découlent de cette interaction avec les lyriens sont omniprésents dans les cultures antiques. On retrouve de ce fait des divinités à tête d'oiseau ou arborant des ailes dans de nombreuses civilisations du passé que ce soit en Égypte, en Mésopotamie, dans les cultures du Pacifique ou en Mésoamérique. Pour traiter ce sujet-là, il faut s'y prendre de façon méthodique. Quoi. Euh, la première réponse, c'est que l'univers est peuplé. C'est-à-dire que si Dieu, si on parle de Dieu, hein, l'absolu ou autre principe créer des milliards de galaxies qui contiennent euh, chacune des milliards d'étoiles. Notre galaxie, c'est la voie lactée, c'est une des milliards de galaxies. Elle a plusieurs milliards d'étoiles. Et de dire, dans un univers pareil, on se demande bien à quoi il servirait. Il n'y a que des êtres créés et que sur la planète Terre, bon, à la fois on devrait avoir sacrément le sentiment de solitude. Et à la fois, même si Dieu fait ce qu'il veut et qu'il crée en profusion des, des milliards de galaxies, à quoi ça pourrait bien servir Donc là, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait On interroge la tradition, on dit euh, euh, à la tradition, est-ce qu'il y a d'autres peuples dans l'espace Eh bien là, la tradition vous répond oui, répond oui, l'univers est peuplé. Alors peut-être pas tous les systèmes solaires, peut-être pas tout ceci, peut-être pas tout cela, mais... Il y a des savants vraiment purement matérialistes qui ont fait le calcul. Ils ont fait la probabilité du nombre de planètes existantes par rapport au nombre de galaxies. C'est quasiment impensable qu'il y ait que la planète Terre le peuple. ça ne tient pas debout. Tient pas. Donc voilà. Alors, à un niveau plus, plus immédiat, les civilisations anciennes, les textes anciens font euh, référence à des visiteurs de l'espace. Si bien sûr, comme d'habitude, on lit entre les lignes, on interprète certains textes que la science ne fait pas. Bon, alors c'est flagrant dans la Bible, mais c'est flagrant dans les thèses, euh, enseignements mayas, aztèque, etc. C'est bruyant extraterrestre. Hein. Vous allez dans des endroits au Pérou, sur les rochers, vous avez des sculptures de silhouettes. C'est mis sur les rochers, il y en a des centaines, hein, avec des êtres un peu de forme de corps humain, mais qui ont des têtes avec des, des casques et des antennes. Euh, sur les côtés, euh, etc. etc. Donc on dit, soit c'est des humains déguisés qui ont un masque, etc., euh, soit c'est une allusion à des cosmonautes qui passent par là. On va pas refaire non plus toutes les thèses là-dessus. Elles sont archi connues parce que les magazines spécialisés ne partent que ça, parce que ça fait sensation. Les pistes de NASCAR, euh, la dalle de palinque, on voit. Euh, l'empereur Pacal là dans, en train de manipuler des choses comme s'il était dans un dans une capsule spatiale etc alors, voilà ils on disait « oui mais c'est des images c'est des c'est de l'art bon ben, passons quoi et donc dans alors dans la Bible euh, bien entendu c'est les fameux Elohim et dans civilisation sumères, Babylone, etc., c'est les Anunnaki. Euh, vraiment, quand on lit le détail de leur histoire, c'est des visiteurs de l'espace, quoi. Parce qu'ils sont nettement supérieurs aux humains. Euh, ils font des tas de choses sur Terre. Bon, en gros, c'est ce que les humains auraient pris pour des dieux. Euh, ou des anges, euh, alors que c'est une autre forme euh, d'être. On ne peut pas dire humain, parce qu'ils n'ont peut-être pas la conformité humaine. Pour les Anunnaki, on pourrait dire que oui, vu ce qu'ils ont fait. <laughs> euh, donc c'est très curieux. Alors ce seraient les mêmes, hein, d'après certains, Elohim pour la Bible, euh, les Anunnaki pour Sumer, les azura pour l'Inde, et ça racontait à qui mieux mieux dans le Mahabharata. Et le Ramayana, c'est des extraterrestres, en gros, c'est peut-être le même peuple qui a erré un petit peu sur la Terre, qui s'est installé dans certains endroits, ou plusieurs vagues. Hein, de... Donc comme l'univers est peuplé et qu'il y a des civilisations, alors là c'est très très curieux aussi, euh, des civilisations bien plus avancées que la nôtre. Hein? Alors, est-ce que c'est incompatible euh, ou pas avec notre civilisation ben, Pas du tout, on voit pas pourquoi toutes les civilisations de toutes les galaxies seraient au même niveau d'évolution. Nous, si on a connu des Atlantes qui avaient une civilisation plus développée que la nôtre, à un moment on avait une civilisation plus développée que la première planète habitée près de chez nous euh, qui serait à l'état de la préhistoire. Euh, donc, euh, on voit bien sur Terre, vous avez des Indiens d'Amazonie qui vivent à l'âge de pierre et à quelques encablures, vous savez, Capcadaveral <laughs> qui envoie des, des cosmonautes sur la Lune. On se dit, ben, c'est sur la même planète, vous avez un tel écart dans le cosmos. Pas. Alors, deuxième problème un peu plus euh, corsé, c'est est-ce que ces visiteurs de l'espace ont les moyens de venir sur Terre Alors, forcément, la tradition répond que oui. Ils ne se déplacent pas forcément avec un carburant hein, comme nous. Nos fusées, ils ont peut-être d'autres moyens de développement Et puis il y a toutes ces thèses que les vaisseaux se dématérialisent quand ils arrivent sur Terre et se matérialisent, etc. Alors forcément, dans les écrits anciens, il y a des choses très surprenantes. Hein, vous savez, cette histoire du, du char de feu dans Ézéchiel, alors vous des chars de feu dans le ciel, des êtres qui en descendent de la fameuse avait, C'est-à-dire qu'il y avait se passe en mer, se déplace en Merkaba. C'est-à-dire c'est le vaisseau spatial. Bon, et dans l'histoire de Moïse, on raconte bien, euh, cache-toi derrière un rocher, tu vas voir passer ma face. Et puis il entend un grand bruit de tonnerre, bon c'est le vr un vrombissement. Il faut pas qu'il regarde parce qu'il y a bah, de la fumée, un jet de lumière, etc. Euh, en gros, il peut pas observer le, comment dire, le, le phénomène de face. Donc il y a, en gros, après il dit je, je vois l'Éternel par l'arrière. Donc il y a un vaisseau qui passe quoi. Si on interprète comme ça, ils savants vous dire, c'est de la foutaise. Euh, bon, pourquoi pas hein. Donc, c'est quand même très, 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 très curieux euh, comme histoire où vraiment, il y aurait euh, des, des interventions, quoi, des, des visites. Moi, je préfère dire visiteurs de l'espace qu'extraterrestres parce que, bon, extraterrestres, c'est mélangé avec les gens qui aujourd'hui euh, euh, sont éductés, euh, on voit tous les carrefours, euh, etc. Tandis que là, c'est historique. Ah, c'est dans le texte. Donc, dans la Bible, c'est les Elohim, et c'est un pluriel. Donc, quand on dit au début euh, Elohim créa, c'est avant qu'il y ait le fameux Dieu Yahvé, euh, que tout le monde connaît pour, pour la Bible. Et alors, dans, on va pas refaire toute l'histoire de la Genèse, mais c'est très curieux. Quand on dit euh, Elohim, c'est un pluriel, euh, et on dit Elohim créa. Donc le verbe est au singulier avec un sujet au pluriel. Et la traduction d'hébreu en français veut dire lui les dieux. Alors lui les dieux, ça ne veut pas dire grand-chose. En gros, ce sera un groupe de dieux. C'est-à-dire une équipe qui créa le ciel et la terre, la chose, bon, etc. Donc là, on n'a pas affaire à l'absolu qui crée des univers. On a affaire à une équipe qui crée... Qui créerait la vie, des conditions de vie particulières sur la planète Terre. C'est très curieux, c'est très étrange, euh, etc. Euh, pour Sumer, c'est les fameux Anunnaki. Donc le dieu Anu et une équipe de, de tant de centaines de personnes auraient débarqué sur Terre. Ce serait installé donc au niveau de Sumer ou comme par hasard on installe le, le paradis terrestre. Alors curieusement, dans les légendes de Sumer, euh, ça s'appelle Edin. Edine c'est le lieu d'installation des Anunnakis. Ça correspond à l'Eden biblique, ce qui fait dire que les Elohim et les Anunnakis c'est un peu les, les, les mêmes personnes, etc., etc. Donc, en gros, il y a des visites. Dans le texte, il y a des passages où on dit du fin fond de l'espace, euh, euh, voilà, euh, les envoyés de l'Éternel viennent. Euh, Et alors ce, cet Éternel, euh, Elohim, là, euh, a vraiment beaucoup de pouvoir, hein, puisqu'il guide les Hébreux dans le désert après les sorties d'Égypte. Hein, on dit marche au-devant des armées il y a une nuée pour guider le peuple qui avance et la nuit on le perçoit parce que euh, il y a une lumière donc il y a, il y a quelque chose d'éclairé qui monte le, la voie dans le désert de nuit et une nuée c'est-à-dire une sorte de tourbillon de fumée de jour il se passe bien quelque chose qui n'est pas naturel euh, dans ce genre de choses et le fameux sinaï où il y avait l'éternel est censé accueillir moïse qui monte sur le sinaï pour recevoir les l'étole de la loi il faut savoir que l'accès à tous les Hébreux était interdit. C'est-à-dire qu'il y avait un comment dire, un périmètre en bas de la montagne, où il était interdit, sauf à Moïse, de passer et qui était mis à mort systématiquement celui qui essayait de mettre le pied dans le périmètre interdit. à ah, vous dites quelque part qu'il devait se passer sur cette montagne des choses pas catholiques. On dit oui, mais là on rencontre Dieu. Hein, parce que Pour la Bible, c'est Dieu que Moïse rencontre lui-même. Bon, euh, on fait bien, mais alors vraiment les autres n'ont pas accès. Hein. Alors, est-ce que Moïse est préparé à faire la rencontre Est-ce qu'on lui donne une tenue spéciale Est-ce qu'on le prépare pour dire euh, ⁇ tu vas être en phase de vibration quasiment insupportable On va te donner une préparation. Et les autres, c'est bon possible, ils vont les pulvériser, donc ils, ils restent en bas, euh, des choses comme ça. Hein euh, donc il y a vraiment des bizarreries que la science n'explique pas. C'est-à-dire que dit ⁇ ben, comment vous expliquez ça rationnellement ?⁇ C'est pas possible. Comme ils ne veulent pas admettre de thèse extraterrestre, ils n'arrivent pas à expliquer donc on est dans, dans cette situation là alors quel rapport serait avec les, les humains et d'autres problèmes euh, C'est que ces Anunnaki et Dieu là dans, dans dans son paradis, là, le chef de cette équipe d'Elohim, aurait procédé à une transmutation de l'humanité. Alors là, ça devient très très important. Donc, quand ces visiteurs de l'espace arrivent, ils trouvent un coin pour s'installer. Ils s'installent, On passe sur la raison pour laquelle ils viennent sur Terre. Pour certains, c'était une étape, c'était une déviation. Ils ont ils ont dû se poser. En catastrophe, ils viennent là, ils disent tiens, c'est agréable, ici il y a des arbres, il y a de la verdure, il y a de l'eau, je sais pas quoi, euh, soit c'est prémédité, il y a un plan. Faut, il faut aller voir s'il y a des planètes habitées quelque part, ils ont un plan, ils arrivent dans notre système solaire, ils viennent, alors soit d'Orion, soit de Sirius, soit d'Aldébaran euh, ou autre. Enfin, peu importe leur origine. Hein. Euh, donc, ils, ils arrivent. Et alors là, il y a, il y a quelque chose d'exceptionnel qui concerne donc la question qui est posée. C'est qu'ils se rendent compte qu'il y a des humains sur Terre. Alors, pour revenir à des histoires de chronologie, de date, est-ce que c'est dans les années 20 000, 30 000, 40 000 avant Jésus-Christ Dans ces eaux-là. Hein voilà. Euh, voilà, ils trouvent une peuplade primitive euh, sur Terre. Bon, pas tellement hein, intéressante. Alors, on est au stade, nous, 30 000, 40 000 ans avant de Jésus-Christ, des les Homo erectus, des Homo fembert, de l'homme de Néandertal. De Néandertal. Bon, des, des primitifs parmi les hommes préhistoriques. Parce que Homo sapiens, sapiens, c'est l'élite. Hein. Donc, ils vont. Alors toujours d'après les textes, hein, et l'interprétation des textes, parce qu'il y a le texte, puis dire comment on interprète ce texte. D'après l'interprétation, il prendrait des spécimens de ces traces primitives, qu'il trouve sur place, bon, vraiment, on aura des, des herbes, si on peut dire, décide d'en faire un homme amélioré. Nous, aujourd'hui, on dit qu'on devrait améliorer l'homme, mais hein, introduire dans l'ADN des machins pour qu'il soit meilleur, je ne sais pas à quel point de vue, performance physique ou, ou morale, et là on, on transformerait cette humanité. Alors, en gros la combine, ce serait de travailler au niveau de l'ADN. C'est-à-dire ils auraient synthétisé en laboratoire, hein. ce qu'on appelle l'Éden, ce serait pas un jardin, mais un centre, avec un parc peut-être, un... prendre des spécimens humains, et mélanger un ADN d'Anunaki avec un ADN d'homme primitif. Et en faisant cette, comment on peut le dire, transmutation génétique, créer un homme nouveau, Homo sapiens. En gros, les savants vous disent, Homo sapiens, c'est 35 000 avant Jésus-Christ. Donc ça donnerait là une date. Bon, voilà, c'est là d'après. Qu'on passe des hommes homo faber, homo erectus, euh, néandertal sapiens, on a une fourchette euh, dans les 35 000, 40 000 ans avant Jésus-Christ. Cet homme homo sapiens est beaucoup plus perfectionné au niveau du crâne, il est bien plus conforme à maintenant, beaucoup plus longiligne, etc. Les maxillaires sont beaucoup plus étroits que les autres, les ont des gros maxillaires, des gros crânes, etc., etc. Donc on a, euh, on a une sorte d'élite du terrien. Mais trafiqué, entre guillemets. Il y en a qui appellent ça les hommes OGN, l'organisme génétiquement modifié, par une race, entre guillemets, extraterrestre. Donc c'est hallucinant, parce que là, ça met en cause plein de choses. Dieu a créé l'homme, parfait au début, puisque c'est l'œuvre de Dieu. Si Dieu crée un homme primitif, il faudra des pâquerettes taillant des cailloux, et puis euh, chassant, et puis que soudain il est l'homo sapiens, c'est-à-dire la réflexion, le sens de l'art, euh, etc., tout un tas de pensées évoluées, les philosophie, etc., euh, et il y a une transmutation qui ne s'explique pas. En gros, on n'arrive pas à expliquer par l'évolution naturelle comment on passe de néandertal à l'homo sapiens. C'est-à-dire qu'il y a un seuil tel entre les deux hommes préhistoriques que c'est pas possible naturellement, et dans la période de temps, qui est censée être celle qui, qui est censée. Donc il y a un apport extérieur. Le texte, là, la façon dont on l'interprète, l'expliquerait. Alors bien sûr, ça pose une question. L'homme est, est primitif, comment il était là, ces premiers bipèdes humains, nettement améliorés après, donc ça veut dire qu'il y a un apport extérieur de, euh, de progression. Alors forcément, ça remet en cause euh, les schémas traditionnels d'un Dieu qui crée un Adam parfait dès le début. Voilà. Bon, euh, et qui est pas susceptible de modification, puisqu'il est bon de départ. Là, on aurait un, un homme assez rudimentaire euh, transformé. Et, et en, en même temps, donc hybride. Parce qu'avec une partie d'une humanité supérieure, entre guillemets, hein, venant du cosmos, une partie... Euh, ce qui est étrange, parce qu'après, euh, ben, il y aurait de, des humanités différentes. Il y aurait les descendants des primitifs qui restent, il y aurait les descendants de ceux qui sont croisés, et il y aurait les descendants des animaux qui entre eux, s'ils ont une descendance. Bon, on, on est dans des scénarios... Que la science va appeler de science, de science fiction, euh, bien entendu. Donc, c'est quand même des curiosités extraordinaires. Alors, comment on peut interpréter ça? Parce qu'on va dire, mais comment vous arrivez à ça? C'est totalement inventé. Bah, pas du tout, parce que dans le texte biblique, on vous dit, dans l'Éden, eh bien, euh, Dieu préleva Adam, qu'il mit dans un jardin, à euh, qui euh, qu euh, dit de cultiver, etc. Donc, il y a un prélèvement extérieur, donc il n'est pas créé un paradis, après on dit, cet être a besoin d'une compagne, donc on Eve oh, oh, du corps d'Adam, Eve hein, est issue d'Adam, visiblement il y a une manipulation génétique qui crée un dédoublement avec une partie masculine, une partie féminine, parce que dans tous les textes anciens, on vous dit que la première humanité était androgyne, donc ni féminine ni masculine, ou les deux, après les deux sexes c'est pareil, Alors visiblement il s'est passé quelque chose là un niveau purement biologique qui n'est pas la création première. Donc ça pose énormément de questions. Est-ce que ça a amené des progrès ou pas Certains disent bah là vous avez une civilisation supérieure qui vient sur terre qui modifie un homme primitif, alors la créature elle est, elle est sensationnelle. Bon pas tellement que ça parce que quand on voit l'humanité d'aujourd'hui on se dit, bon, ben d'accord, il y a de l'intelligence, euh, il y a bon ben, dans l'Antiquité, la Renaissance, le sens de l'art, euh, la construction, le génie hein, pour les inventions, euh, etc. Bon, moralement, ça reste très très bas quand même. Alors le coup de théâtre est le suivant. C'est cette fameuse euh, phrase, il y a deux lignes dans... Dans la Genèse, hein, c'est le chapitre 6, c'est célébrissime. Hein, les fils de Dieu virent que les femmes des hommes et très belles en choisirent pour compagne et enfantères. » Donc on aurait ces fils de Dieu. Alors pour, pour, qui est-ce On se dit, bah, c'est les Elohim. Euh, rien. Parce qu'on se dit, si c'était des humains, on dirait, bah, l'homme présent sur terre euh, bah, <laughs> prend femme. Et il y a une procréation, puis l'humanité se développe. Que veut dire fils de Dieu, fils des dieux C'est désolé, mais c'est un pluriel. Les fils des dieux virent que les femmes des hommes étaient belles et choisir pour épouse. Ça pose énormément de questions, même s'il si n'y a qu'une ligne. Parce qu'on sent qu'il y a deux races différentes. Il y a les fils de Dieu, puis des humaines. En plus, s'intéresse à des humaines. Et dans d'autres écrits, on dit qu'ils choisirent les plus beaux spécimens, ils ont été fascinés par des splendeurs. Alors, on imagine mal que parmi les hommes préhistoriques qu'il y sur la Terre avant la fameuse transmutation dont je vous parlais, il y ait eu des splendeurs parmi l'homme de Néandertal. Quand on voit les squelettes de Néandertal, la... on cherche les splendeurs féminines. Alors, eux, ces animatrices, ils ont été complètement fascinés par, par les terriennes. Alors, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Dans la créature nouvelle que eux auraient créée, donc mi-divine, mi-humaine, etc. Euh, bah, il y aurait eu une nouvelle humanité avec des splendeurs de côté féminin. Mais leur propre création, après hybridation, et là, complètement stupéfait devant la beauté des, des, des créatures féminines, une relation avec les parties féminines. Alors, c'est quand même hallucinant. Parce que là, on se dit, euh, vraiment... Alors, y aurait-il aujourd'hui une descendance... Notre humanité serait descendante des homo sapiens, donc de ces hybrides. Pendant que les primitifs auraient continué à se développer entre primitifs, on en revient deux humanités différentes, on ne peut pas en parler. Parce que la thèse officielle, c'est qu'il n'y a qu'une humanité sur Terre, tout le monde a deux bras, deux jambes, il ne peut pas y avoir des humanités d'origine différente. Là, avec ce mythe-là, ça casse le baraque j'allais dire à la fois de la religion et à la fois euh, de la science. Donc c'est pas un ennemi en fait hein, à cette thèse. Alors on passe en détail le fait que les humains hommes auraient accepté que les épouses soient prises, kidnappées ou séduites dans des livres. On dit, bon, elles ont été séduites par ces, ces anunnakis qui sont des géants, qui sont d'une splendeur magnifique. Mais comme on dit après qu'ils engendrèrent, c'est-à-dire qu'ils créèrent des, une descendance. Euh, ils ont quand même une conformité physique apte au rapport avec les femmes. Donc, en fait, ils seraient peut-être plus grands ou plus beaux, mais c'est pas des, des trucs métalliques, c'est pas des, des, des robots, ce seraient des êtres. Parce que sinon, ils peuvent pas avoir le rapport physique. Et alors, le comble, c'est après, ils engendrèrent une sorte de, de race hybride, mais qui est devenue totalement mauvaise. Bon, à la fin, ils ont dévoré toute la récolte parce que c'était des géants et, et ils avaient faim et, et ils mangeaient la récolte des, des hommes. Après, ils ont mangé les hommes. Horreur inimaginable devant le grand chef des dieux, Enunaki, de dire, regardez ce que fait la descendance, vous avez créé une abomination, etc. Alors là, dans la Bible, c'est écrit en toutes lettres, euh, Dieu vit que c'était une engeance maléfique et décida de les railler de la surface de la terre par le déluge. Alors là, on a une histoire du déluge qui est invraisemblable. C'est pas un phénomène climatique, c'est euh, faire euh, euh, pleuvoir pour euh, liquider euh, à la fois les humains et les deux passent en même temps hein. les humains et, et la race nouvelle créée. Alors c'est hallucinant comme histoire, bien entendu, parce que ça expliquerait le déluge qui serait volontaire, hein, qui serait de la divinité. C'est que c'est alors. C'est, comment dire, ces hybrides seraient contre nature. En gros, ce que le texte biblique reprocherait, c'est de dire, bah, écoutez, vous avez fait quelque chose contre nature. n'était pas permis que vous ayez relation avec une race terrestre, puisque vous êtes des, des, êtres issus du ciel. Vous avez fait un mélange. Le mélange, là, au niveau des gènes, ben bah, a créé une catastrophe. On est obligé d'éradiquer ce que vous avez. En gros, vous avez créé des abominations. Faut les supprimer. Donc, bien entendu, en gros, il y aurait l'idée de, de, de la sanction d'une faute. Alors on se dit, mais comment c'est possible que ces Anunnaki ou Elohim ou Azura hindous, euh, parce que dans les histoires hindous, on raconte un peu pas la même chose. Les dieux sont des guerres avec les missiles. Et... En fait, ces, ces visiteurs de l'espace se seraient cassés en deux parties. Il y aurait une partie pure qui vient visiter la terre, qui a une mission à accomplir, et puis d'autres qui auraient été séduits par des créatures locales ou leurs propres créatures hybridées. Mais qui auraient fait un crime quasiment inexpiable, qui mérite un châtiment exemplaire. Alors, comment on sait tout ça? Parce que dans la Bible, il y a deux lignes. On dit ça, les fils des dieux, euh, virent que les femmes des hommes étaient belles et après ils, ils créèrent des, une descendance qui est très célèbre dans l'histoire parce que ce sont les héros très euh, très célèbres euh, voilà connus de, de tous mais devenus mauvais et Dieu vit que l'humanité était devenue mauvaise et, et euh, projeta de la détruire par le déluge mais il prévint Noé euh, patati patata alors comment on a des détails là-dessus dans le livre d'Enoch? De, alors, Enoch, c'est le grand patriarche euh, biblique, c'est le septième patriarche. On commence à Abraham, hein, on va jusqu'à jusqu Enoch. Alors, Enoch, c'est très particulier, hein, parce qu'il a contact avec les anges, euh, contact avec Dieu. Il est emmené visiter l'espace, il visite les cieux, hein, pour on le ramène sur terre. Puis après, il part définitivement, mais dans le texte, on dit qu'il est emmené dans un char volant dans les cieux. Donc, lui, il a contact... Euh, avec les Anunnakis Et donc il met par écrit ses récits, et ses... Ah, ça s'appelle le livre d'Enox, c'est très connu, et dedans il donne tout le détail de ces Anunnakis Alors c'est très curieux parce qu'il dit comment s'est passée la rencontre avec des humaines, ce que je viens de raconter, mais qu'ils enseignèrent. Alors ils enseignèrent pas n'importe quoi, l'alchimie, l'astrologie la magie, mais même la magie noire, et ils enseignèrent aux femmes l'art du maquillage, de mettre de la pommade sur les joues, de sophistiquer leur coiffure, d'être attrayante. En gros, on a l'impression, dans la civilisation moderne, où on aurait donné à la femme un art de séduire, eux-mêmes en l'occurrence, mais au moment où eux, ils ont été séduits, ils n'avaient pas encore tout ça, puisque l'enseignement vient après. Donc ils ont déjà été fascinés par les créatures en plus ils ont enseigné euh, des arts euh, comment dire l'attrait l'attirance euh, euh, pour être encore plus séduisants, parce qu'ils avaient besoin de ça alors là, on, on se perd hein, dans, dans, ce, dans ce dans ce genre de choses et puis alors tout ce qui est les arts et les sciences c'est-à-dire euh, il y a aussi bien la métallurgie, l'artisanat, etc. Donc ils auraient un côté civilisateur quand même. Et alors dans le texte, ils enseignent un peu tout. C'est-à-dire ils enseignent aussi bien l'astrologie que la magie noire, que le, comment dire les, euh, comment, les, les, les choses magnétiques, et puis euh, bah, l'art du maquillage. C'est très variable comme truc, mais en gros c'est la civilisation. Alors on se dit comment ils peuvent être mauvais. En ayant enseigné tout ça, bon, la faute c'est toujours la faute d'avoir croisé deux races totalement incompatibles, aboutissant à une, une catastrophe. Alors, c'est posé beaucoup de questions. Euh, Est-ce que le livre d'Enoch développe les deux phrases qu'il a dans la Genèse En gros, il y a deux phrases, ça veut rien dire. Lui il développe, c'est tout un livre entier. Hein. Il y a plusieurs chapitres. Hein. Lui il les appelle les veilleurs. C'est c'est il y a, il y a les veilleurs, il y a le livre de ceci, il y a cinq ou six livres, je crois, dedans. De don, appelé donc globalement Livre des Livre d'Enoch. Hein. Donc c'est c'est très très intéressant le contenu. Et l'autre thèse, c'est dire, ben c'est l'inverse. La Genèse résume en deux lignes le livre d'Enoch de, qui d'avant. C'est-à-dire, il y a toute l'histoire préalable. La Genèse a été mise par écrit à tel siècle, à partir de tradition orale. Donc, vous avez un condensé résumé, parce que, avec le résumé, bon, on sait, euh, le, tout ce qui s'est passé, parce que l'histoire est archi connue. il ah, n'y euh, a pas besoin d'explication. Pour nous, oui. Bon. Alors, quand on en est là, on se dit, bon, mais c'est très bien. Si on a le livre d'Enoch, on sait tout. Est-il vrai? C'est-à-dire, en gros, est-ce que c'est du roman, ou est-ce que euh, c'est est, est autre chose Alors, ce livre d'Enoch a, a toute une histoire absolument invraisemblable. C'est-à-dire que dans l'Antiquité, c'était très très connu, et tout le monde l'avait. Et dans les premiers siècles du christianisme, le christianisme ne rejetait pas le livre d'Enoch. C'était valable, ce qu'il y avait non était moi, c'était vrai, c'était aussi important que la Bible. Et curieusement, au deuxième siècle pour les Juifs, au 4 quatrième siècle pour les chrétiens, totalement interdit de lecture. Tous les exemplaires étaient brûlés. Dans le clergé, on ne voulait plus en entendre parler, et on n'a plus jamais entendu parler, sauf avec des extraits. Tel théologien disait dans le livre d'Enoch, on révèle que telle chose. Alors, pourquoi ils en parlaient? pas du tout pour faire plaisir à Enoch, ni, ni à, à nos adeptes des extraterrestres aujourd'hui, c'est parce que justement, ça explique le mal dont on parlait tout à l'heure. On hein, dit le mal, c'est le principe de dualité, c'est Satan, l'opposé de Dieu. Dieu fait A, ben, son principe opposé fait B, euh, etc. C'est l'adversaire en gros, mais pas forcément méchant. On hein, n'a pas envie de torturer qui que ce soit. C'est le principe d'opposition. Euh, par contre, le principe du mal, quand on se met à, à faire des choses complètement de travers d'une perversité totale, hein, euh, etc. Parce que là, le crime des anunnaki, il est sexuel en fait. Bon, on ne les empêche pas peut-être d'avoir des rapports entre eux, mais on dit là, vraiment, avec une race différente, contre-nature des humaines, vous avez commis un péché, de nature physique. Ça ne passe pas. Hein. Ni chez le grand Dieu, à nous, des Anunnaki, qui trouvent une perversité totale, cette propre partie d'eux-mêmes. En gros, il y aurait une partie fidèle, accomplissant sa mission, et une partie déviée. Et il y aurait une descendance de la partie déviée. <laughs> bon. Hein? Alors c'est ça qu'on comprend difficilement, c'est que dans cette histoire-là, il y a deux parties. Il y aura une partie pure et une partie euh, bon, mauvaise. Donc la partie mauvaise, ça explique l'origine du mal, que serait de mal, la fornication, la séduction, euh, des rapports contre nature, des ceci, de cela, patati, patata, alors c'est Dieu. L'enseignement de choses complètement perverses, bien entendu, pour le clergé catholique, pourquoi les femmes devraient se mettre des pommettes rouges, Alors on dit comment on, on maquille les paupières, etc., dans le texte. <laughs> Vous dites, on est, on est vraiment là à la mode d'aujourd'hui, c'est très curieux. Donc, il diffuse une connaissance avec un C majuscule. Bon, ça, ça pose problème, on verra peut-être après. Entre la foi, je crois et j'ai la connaissance. Donc une partie révélation, euh, et études, etc. Et alors, mis à part ces théologiens qui recopiaient quelques extraits pour les dénigrer, pour bon, dire que c'était des perverses, là, ces, ces annunaki fornicateurs, euh, le texte donc passe à la trappe. Il se passe des trucs absolument invraisemblables. C'est les fameuses découvertes de Qumran. En 1947, en Israël, je vous passe le détail, hein, d'un berger qui poursuit une chèvre de la montagne, il voit une fente dans un rocher, la chèvre rentre dedans, il rentre, il trouve des jarres avec des manuscrits. C'est une bibliothèque essénienne. Bon, à Nagabadi, en Égypte, on trouve des tas de manuscrits gnostiques, un vrai semblable. qu'à l'église tout de suite. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir là-dedans On retrouve des tas de choses invraisemblables, On retrouve des livres d'Enoch. De, de, on trouve plusieurs exemplaires de Livre d'Enoch. On trouve des livres pas bibliques du tout. Bon, euh, etc., etc. Et, et là, ben, je dis, euh, eux, ils en avaient gardé et, et les diffusaient, ils enseignaient ce, ce, ce livre d'Enoch. Et comme on dit que le Christ a été initié chez les Esséniens, fatalement, ils devaient connaître le le texte, le livre des d'Enoch aussi, euh, etc. Je vous parle euh, incidemment euh, par euh, un absus de du livre de Thoth parce que Thoth ayant enseigné l'astrologie, l'astronomie, l'alchimie, euh, etc. Est, est presque du même genre, quoi, euh, etc. etc. et donc on a euh, alors là, alors le temps de faire les traductions parce que il y avait tout, tout plein de manuscrits, ils étaient en morceaux, il y avait des centaines de morceaux, donc il y en a qui ont réadapté ré les morceaux avec, avec l'écriture. Qu'est-ce que les experts dé découvrent Le livre de Toth, la guerre des fils de lumière contre les fils de ténèbres, des, des machins qui n'ont pas vraiment directement de, euh, comment dire, de un cadrage biblique. Vraiment un peu hérétique euh, sur, le, sur les bords. Hein. Bon, il faut savoir que dans la réalité, on a trouvé des centaines, euh, de, de, des milliers de morceaux de papier. Pas hein. enfin, papier, c'est pas du papier hein les parchemins, etc. Tout reconstitue, c'est des rouleaux et des rouleaux. Il y a onze grottes, on a retrouvé des jars avec des, euh, des manuscrits. C'est gigantesque, c'est un truc hallucinant. Euh, Anna Gamadi, c'est des, des écrits apocryphes, des versions de la Bible qui n'ont pas été euh, homologuées l'église a détruit ou stocké dans les caves secrètes au 36e dessous du Vatican pour que personne ne lise des trucs aussi hérétiques. Et là, on a retrouvé une bibliothèque entière. Bon. Alors, les traductions, on fait pas lire à vue d'œil le, le clergé, bien entendu. On s'était mis au compte goutte. On a, il a fallu des années, des années pour faire certaines traductions. Jamais diffusées. Hein. Je vous dis qu'est-ce qu'il y a dans tel euh, livre, dans tel apocryphe, et qu'est-ce qu'il y a. Ah, il y a le livre de Thomas, il y a le livre de Machin, c'est totalement inconnu. Hein. Il y a l'Évangile de Marie, totalement inconnu. Et, et on se dit là, la guerre des fils de lumière contre les fils de ténèbres, c'est quoi tu, Ça court pas les rues comme Bouquin. Hein. <laughs> bon, euh, c'est vrai ce qu'on dit dedans, est totalement hein. Puis C'est l'histoire là. là alors, plus corsé encore, c'est comment euh, ça serait arrivé jusqu'à nous. Alors, cette descendance-là d'hybrides, de, normalement, elle a été détruite par le déluge. Mais voilà-t-il pas que comme tout déluge, toute catastrophe de tremblement de terre, il euh, y a des rescapés. Alors, il y a deux versions. Soit il y a eu de vrais rescapés. Qui se sont cachés dans des grottes, dans des coins perdus, euh, dans les montagnes, échappant des luches, qui ont engendré, ben, la suite, qui continuer leur engendrement. Où seraient leurs descendants Alors là, c'est là qu'on rentre dans les théories aujourd'hui, euh, à prendre avec précaution. Hein, dans tous ceux qui sont au pouvoir mondial sur la planète. Bon, en gros, la thèse aujourd'hui du, comment dire, cette espèce de bande. Euh, qui dirigent occultement le, le monde seraient les descendants de ces animaux qui les surnommés des reptiliens. Bon, parce que dans une histoire, je vous passe le détail, hein, euh, euh, je ne sais plus quel patriarche aurait arrivé deux êtres à naître avec une tête très lumineuse, genre ange, et un, tête, un autre personnage l'accompagnant voilé. À un moment, le personnage enlève son voile et c'est une tête de serpent. Donc, il y aurait un, une entité bénéfique, une entité maléfique, etc. Donc, ce serait surnommé les fameux reptiliens, ça viendrait de cette histoire-là. Pour revenir à la question posée, euh, à une certaine époque, on vous expliquait l'origine du mal comme ça. C'est-à-dire, l'origine du mal, c'était pas Satan c'était que euh, l'humanité était parfaite, et il y a eu des visiteurs de l'espace, une déviation, un, un dérapage complet de leur mission, et leurs descendants totalement maléfiques ont enclenché des phénomènes absolument invraisemblables jusqu'à aujourd'hui. Dans la deuxième version, ils sont tous morts, mais ils sont morts sur Terre, et qu'est-ce qui est sorti de leur cadavre, leur âme, maléfique se sont agrippés sur les humains et ont pollué toute l'humanité jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que ça va très mal depuis. Donc on serait dans les années 30 000, 35 000 avant Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui. Donc au lieu d'être descendant d'êtres divins, on serait descendant d'Anunnaki forniquant avec des terriennes. Donc euh, comme ça, hein. Donc, c'est très, très, très curieux comme histoire. Du coup, les fameux livres d'Enox sont aujourd'hui. Euh, on peut en acheter en librairie. Alors, bien sûr, les savants d'aujourd'hui, les théologiens vont dire, mais voyez pas le ramassis de bêtises que c'est. C'est de la science-fiction. Ah ouais? Mais, bon, rien n'est moins sûr. Alors, une autre version très cocasse, puis on arrêtera là pour aujourd'hui. Parce que sinon, on va passer, euh, Plusieurs heures, hein, parce que c'est un sujet à plein d'heures, hein. euh, cest de dire est-ce qu'ils auraient pu survivre d'une autre façon euh, euh, que celle-là Ah oui, alors c'est l'histoire de l'arche de Noé. Alors Noé, c'est un grand patriarche aussi, puisque c'est l'arrière-petit-fils d'Enoch. C'est la même, c'est la même lignée. C'est la même famille, en plus. Donc on sait que Enoch a eu révélation qu'il y aura un déluge à cause de. Ah lui il sait cette histoire. La Nunec, qui il sait que ça va être châtié. C'est pas normal, hein? Donc il transmet ses descendants et les choses, ça arrive à Noé qui construit l'arche, machin. Il y a bien sûr des spécimens humains et animaux euh, euh, survivants. Et voilà la stupéfaction, c'est que Noé serait un Elohim lui-même. Ce qu'on appelle un Néphilim. C'est-à-dire les Néphilim, c'est ces fameux euh, hybrides. Dans la Bible, on les appelle les... Les Elohim ont engendré une race hybride appelée Nephilim. Néphélim, c'est une horreur, c'est des monstres, c'est ceux qui dévoraient les humains, <laughs> etc. Cetera, et, cetera. et alors, quand on raconte la naissance de Noé, c'est dans le texte, hein, c'est dans la Bible, hein. il naît avec des cheveux blancs et bouclés, déjà tout constitué, et alors euh, un visage presque translucide, etc. Et bien sûr, euh, son père dit, qu'est-ce que c'est que ça Il est effrayé, et il pense que sa femme a eu rapport avec les Elohim. Enfin, -dire le père, c'est pas lui mon enfant il est vraiment pas, il est vraiment pas normal c'est pas moi euh, il y a eu un croisement encore une fois genre, alors si Noé qui a sauvé l'humanité dans le chez lui-même un éphilème, ah, c'est la fantôme enfin c'est pas la fantôme mais notre humanité c'est celle-là Bon, L'Église a les cheveux qui se dressent à la verticale sur la Terre. Les scientifiques, eux, ils n'ont pas les cheveux qui se dressent à la verticale sur la tête, qu'ils n'en ont rien à faire. C'est que de la bêtise. Donc, les problèmes sont réglés. Mais on en est là dans cette histoire. Donc, ça explique à la fois des races exogènes qui font muter l'humanité, alors dans un sens bénéfique ou, ou maléfique, puisqu'ils apportent les sciences. Hein. Visiblement, ils apportent les sciences. Ils apportent les arts. et C'est toujours la fameuse connaissance. Faut que l'homme soit éduqué. Il y a une dispute entre eux à cause de ça. Est-ce que l'homme doit être rudimentaire ou est-ce qu'il doit être très intelligent, génial, comme nous, c'est Zaninaki, le est ce qu'on leur transmet toutes nos connaissances, une partie des connaissances. Bon, vu l'humanité d'aujourd'hui, son niveau euh, en science, visiblement, il y a un bagage qui a été transmis, quoi. On est très doué sur le plan du, du génie moralement on est très mauvais donc euh, on se demande pourquoi on est aussi mauvais moralement avec un génie euh, scientifique ou, ou autre on a. en gros on a la partie euh, scientifique technique très forte et on a la partie morale spirituelle très mauvaise c'est complètement cassé en deux aujourd'hui euh, on n'a plus du tout de grand patriarche de grand saint de, on a plus de mépris de d'Abraham, des choses comme ça. Aujourd'hui, c'est fini. On les cherche, il n'y en a pas. pas Donc, on en est là dans cette histoire. Donc, ça explique plein de choses. Si, si, c'est vrai, ce que ça explique l'origine du mal, les déviations, euh, les différents courants d'humains dans la suite de l'histoire. Cette bande mondiale occulte perverse, tout ce qui s'ensuit, descendant d'une partie déviée. Patati, patata, patati, patata. Tous les enseignements ésotériques, tous les textes antiques et religieux des civilisations antiques ont un point commun ⁇ les cataclysmes. Du légendaire déluge biblique datant des plus anciens textes mésopotamiens à la fin tragique de chacun des cinq soleils de l'humanité décrits dans les écrits mésoaméricains, l'humanité semble encore aujourd'hui traumatisée par des cataclysmes planétaires, ayant quasiment éradiqué notre espèce par le passé. Inondations planétaires, pluies diluviennes, éruptions volcaniques généralisées, tempêtes titanesques, ces catastrophes majeures pour notre histoire pourraient parfaitement correspondre à la fin de l'âge de fer, à la clôture de cet immense cycle de la tradition primordiale, faisant table rase d'un monde en déclin pour permettre le renouveau d'un âge d'or. Mais qu'en est-il de la fin de chacun des âges de cette doctrine des cycles? Peut-on considérer que chaque fin de cycle, qu'il soit d'or, d'argent ou d'airain, se termine également par une destruction majeure, anéantissant toute trace de l'ère passée Ou bien passe-t-on de l'un à l'autre par une simple transition civilisationnelle, par de simples modifications spirituelles, politiques et sociales Alors, euh, c'est une très bonne question encore une fois. Il y a tout à la fois. Euh, ça dépend. <laughs> C'est-à-dire, bon, ça va de soi qu'à une fin de cycle, il y ait beaucoup de catastrophes, parce que justement on liquide le cycle. Alors, on voit bien avec l'Atlantide, avec le Déluge, avec euh, etc. Est-ce que entre l'âge d'or et l'âge d'argent, il y a eu obligatoirement des, des cataclysmes, parce qu'il fallait être chou prix comme les puces du trace de l'âge d'or. c'est pas comme ça que ça se passe, puisque le bagage est transmis. C'est-à-dire tout ce qu'on aurait eu comme euh, conception, euh, loi euh, dans l'âge d'or, bah, ça passe, l'argent, ça passe même jusqu'à maintenant, puisqu'on le connaît. Allez, quand je parlais au début de la tradition primordiale et de ses principes, puisqu'on les connaît dans l'âge de fer, c'est qu'elles sont restées, oh, rien n'est appliqué. Parce que les maîtres spirituels de gouverner le monde, c'est une bande qui gouverne le monde, on est on on à l'inverse. Mais on sait que ça existait, et on sait que c'est ce qui devrait être, et on sait que c'est la référence. Donc, les choses passent au niveau, j'allais dire, de, des idées, des concepts, des, des choses comme ça. Par contre, la civilisation matérielle, tel type de monument, tel type de capital, euh, tel type de, de réseaux euh, euh, sociaux, ah, ça c'est liquidé. Alors est-ce que c'est forcément liquidé par des catastrophes universelles pas forcément il peut y en avoir mais on n'était pas là pour voir à, à la fin de chaque ère de euh, chaque fin d'ère de astrologique d'apprécession des équinoxes quand on est, on est passé du euh, du cancer au gémeaux du gémeaux au taureau est-ce qu'il y a eu forcément des catastrophes peut-être euh, on n'était pas là on ne sait pas donc dans, dans les comment dire dans les chroniques ben, on sait il y a, il y a des flots il y en a toujours et des, des tremblements de terre ou des éruptions volcaniques, il y en a toujours indépendamment d'une fin de cycle. Mais on pense que ça accélère la fin de cycle. Parce que dans les fins de cycle, tout se dégrade. La terre, le climat, le sol, les sociétés, les mœurs, ah bah comme aujourd'hui. On voit bien qu'on a à la fois... Euh, des ouragans inhabituels, des, des inondations inhabituelles, les changements climatiques, les un euh, ben bon, on vous dit pas, c'est quotidien, la perversion totale du monde politique, euh, euh, le chaos, quoi. Donc là, alors à la question est-ce obligatoire que ça finisse dans un chaos total pour euh, avoir le cycle suivant, ben, c'est pas obligatoire. Là, j'ai pas de preuve, hein, mais je pense que c'est pas obligatoire. Ça dépend du niveau de conscience de l'humanité. C'est-à-dire, si elle est consciente qu'on est un 20 cycle, quand on dit on prépare le nouveau, pourquoi il faudrait châtier cette humanité par une destruction? On dirait de nous-mêmes, on se projette dans le cycle suivant. Comme on est incapable de le faire à 90%, les machins tombent, on liquide le cycle. Alors, pourquoi là, on risque de grosses, grosses, catastrophes? Parce qu'on est à un cycle, un fin de cycle particulier. Une fin de cycle particulière parce que on finit pas une ère zodiacale, on finit douze cycles zodiacaux. C'est-à-dire on passe pas du Taureau au Bélier. On peut y avoir eu des catastrophes des Bélier au Poisson. Ce que rené est passé au Bélier au Poisson, c'est justement l'avènement du christianisme. Les civilisations païennes antiques s'effondrent. L'Empire romain va être liquidé au 5e siècle. Il y a le christianisme pour 2000 ans. C'est l'ère des Poissons. Bon, on comprend qu'il y a un tournant le Christ arrivant pour fonder l'ère nouvelle, il y a un tournant. Bon, le Bouddha, l'Orient, tout ce qui s'ensuit, mais on finit 26 000 ans. C'est-à-dire on finit par un signe astral de 2160 ans, mais les 26 000 ans, c'est complet, du verso au poisson, on recommence, du verso au poisson. Donc là, il y a un nœud très particulier. Et dans la doctrine du, du Manvantara, donc les fameux 64 800 ans, il y en a 14. Donc en gros, dans le cycle indien, il y a 14 cycles de 64 800 ans. Imaginez le truc. Et notre société actuelle, notre terre actuelle, est dans le milieu. C'est-à-dire, il y en a 7 jusqu'à aujourd'hui. 7 qui suivent, on est dans le milieu du cycle des 14. Il paraît que c'est un nœud absolument incroyable de changement. Ces milieux du cycle, il se passe beaucoup plus de choses qu'en temps normal. Comme ce milieu du cycle de Maventara correspond à notre fin de 26 000 ans passée sur des équinoxes, euh, le machin est <laughs> catastrophique au niveau mondial, d'où ce qu'on risque de voir là dans les 5, 10, 20 ans qui viennent. Quoi. Les, les prophéties vont jusqu'à 2036, 2042. Donc finalement, on est, on est, on est à la fin. En, entre guillemets, hein. donc c'est très particulier. Alors on se dit, moi on me pose toujours la question, mais hein, est-ce que ça finit en 2022 Est-ce que ça finit en 2024 Est-ce que ça finit en 2036 À dire que ça dépend quand, quand ça a commencé. Je dirais qu'il peut y avoir des fins de cycle à catastrophe ou pas, euh, selon euh, les circonstances. Le fameux déluge qui, euh, là, d'il y a 8000 ans ou autre, correspondant à la fonte des glaces, un enfin, phénomène physique, puis la disparition de, des civilisations de l'époque, eh bien, ça a un sens. Ça. Donc, euh, bien entendu, euh, aujourd'hui, euh, on est dans une situation très particulière parce que la fin de cycle est exceptionnelle, ah, parce que c'est pas une mini fin de cycle, c'est une grande fin de cycle. C'est-à-dire dans la fameuse précession des équinoxes avec 12 signes zodiacaux sur 26 000 ans, euh, chacune durant donc 2160 ans, on ne passe pas de l'ère euh, des poissons à l'ère du verso, mais on finit un cycle de 26 000 ans pour un nouveau cycle de 26 000 ans. Donc le changement est colossal et donc il risque d'avoir encore plus de changements que de passer d'un du, mois zodiacal à... Un cycle complet. Pour les hindous, euh, le fameux Manvantara, on met fin à, à 64 800 ans dans le même coup, puisque la fin du Manvantara correspond euh, chez nous à la fin d'un cycle de précession des équinoxes qui coïncident. Ils n'ont pas la même durée, mais ils coïncident en même temps dans leur fin. Donc le Manvantara correspond aux trois derniers signes, taureau, bélier, poisson. Mais dans la cyclologie hindoue, on a euh, 14 cycles de Manvantara, c'est-à-dire 14 fois 64. 64 800 ans, faites le calcul, c'est des millions d'années, euh, et on est dans le milieu, c'est-à-dire il y a 14 cycles et on est à la fin du septième, et quand on est à à la césure euh, du cycle, c'est encore plus de changements que d'habitude, et donc euh, tout est encore plus chaotique, encore plus chamboulé, accompagné ou pas de catastrophes naturelles ou pas. Bon, c'est déjà commencé. Quand hein. vous voyez comment ça dérape d'un point de vue climatique et géologique, il y a déjà, ça va s'amplifier dans, dans les années qui viennent. Alors. Est-ce que c'est systématique Est-ce que c'est obligatoire Ça dépend de la conscience de l'homme. Si l'homme se dit :« Ben moi, je connais la doctrine des cycles. Je sais qu'on est à la fin. Je dois changer mon comportement, euh, évoluer, etc. Je me projette dans l'ère nouvelle. Je vois comment elle doit être. On doit respecter ceci. D'ailleurs, respecter tout, tout court, la nature, euh, l'homme, euh, les autres, euh, tout ce qui s'ensuit. Je, je modifie. Pourquoi ?» on devrait envoyer des catastrophes sur la Terre pour liquider des tas de choses dans la mesure où on a pris conscience qu'on y met fin nous-mêmes. En gros, on a les catastrophes naturelles, climatiques, politiques, sociales d'un truc qu'on n'a pas compris comme l'humanité en même temps est égarée par la bande dont je parlais précédemment, qui est au pouvoir, qui fait son jeu, euh, etc., forcément va dans le mur. Bon, ça c'est un autre problème. Donc pour parler de la civilisation actuelle et pas comment ça s'est terminé l'âge arge d'argent, euh, c'est de dire que bon, euh, euh, on est vraiment à un tournant de, de l'histoire humaine. Quoi. Très très important. Hein. La tradition primordiale, cette doctrine de la décadence des cycles, permet donc d'appréhender la vie et son évolution sur une temporalité extrêmement longue de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'années. Compte tenu de son ancienneté chronologique, elle est à la base des plus anciennes doctrines, des plus vieux enseignements spirituels, et c'est précisément pour cela que tous les courants de pensée de notre civilisation retrouvent une part de cette doctrine primordiale. Si nous prenons l'exemple de la gnose chrétienne originale, des paroles et enseignements purs de Jésus, bien avant l'instauration du culte religieux chrétien, aujourd'hui malheureusement détourné et corrompu par les fausses institutions prétendant œuvrer pour cette idéologie, pourrions-nous assimiler ces enseignements christiques spirituellement supérieurs à la doctrine de la décadence cyclique Alors normalement, bien sûr, ça pose le problème de la connaissance. Puisque au début on dit cette révélation, des grands principes de la tradition ont été révélés à des sages, qui l'ont révélée aux au chefs d'État, de gouvernement, de tout ce qui s'ensuit et, et à la population. Euh, C'était mis en pratique, à la différence d'aujourd'hui. Si on peut connaître la tradition aujourd'hui, il n'y a rien en pratique. À l'époque, on, on avait en pratique. Il y a donc euh, une révélation, une connaissance avec un C majuscule. La connaissance est de toujours. C'est-à-dire que la tradition va dire, euh, la connaissance n'est jamais perdue. Elle est re-révélée re à chaque époque par les sages, les maîtres spirituels. Bouddha ou le Christ pouvaient avoir autant la connaissance de cette tradition primordiale que les grands rishis de l'Inde dont j'ai parlé euh, tout à l'heure. Même dans l'âge de fer, René Guénon, qui a remis en, comment, en vulgarisation la tradition primordiale, bah, a révélé, il y a un siècle déjà maintenant, le grand principe de la tradition. Donc en fait, elle n'est elle jamais perdue. Et on peut dire que les grandes religions que nous connaissons, celles qui sont nées par l'ère des poissons, hein, le judaïsme, le christianisme, l'ère du bélier un petit peu, l'ère des poissons, le bouddhisme, etc. Euh, bon, connaissent cette tradition. En gros, cette tradition, elle passe dans les grands principes des religions. Et de toutes les traditions ésotériques. C'est-à-dire les, les rose-croix, même la franc-maçonnerie euh, d'origine ont les principes de la tradition. On vous dit, ben voilà, on respecte la géométrie sacrée, la géographie sacrée, le spirituel est supérieur au temporel, euh, ceci, on respecte tout, la nature, l'arbre, les fleurs, euh, l'humain, bien sûr, son voisin, euh, même les humanités extraterrestres ils viennent se balader. Il y a un respect général, on ne, on ne tague pas un tableau dans une église, on ne fout pas une statue de la Vierge Marie par terre, ça ne se fait pas, les lieux sont sacrés, mais, bon, etc. etc. Hein, donc c'est ça, un petit peu l'idée. On l'a même dans l'âge du fer, les, la connaissance est maintenue. Mais dans des cercles étroits, dans une élite, hein, on dit les grands maîtres sont cachés, sont retirés du monde, ils laissent l'humanité faire ses preuves. On voit comment, euh, etc., etc. Donc en gros, le Christ a dans son enseignement la tradition primordiale. Pourquoi on en est là aujourd'hui Toute la religion, des dévie. Même le bouddhisme, même plus ça. entre les principes de départ, l'application de départ et ce qu'on en fait aujourd'hui, il est bien certain que là aussi il y a une dégradation. L'Église ne respecte plus le message christique et la tradition de l'Église d'origine. Il n'y a qu'à voir combien de fois on a changé le rituel de la messe. Par exemple, avant, je vous passe les détails, il bon, ne pas que ce soit trop lent, mais on communiait sur les deux espèces parce qu'on répétait la scène et donc la sainte scène, bien sûr. Jésus rompit le pain, c'est l'hostie, et puis euh, il partagea son sang, fait circuler le calice avec le vin, etc. Et ben avant, on donnait un calice avec le vin, et après on a dit oui, mais pour l'hygiène, vous comprenez, on met sa bouche dedans, on peut plus le faire, on fait que l'hostie. Ben, vous enlevez la partie liquide, vous conservez la partie solide, vous avez cassé le rituel en deux. Bon, c'est pas grave, ah, si, rituellement. C'est très grave, tout est comme ça. Dans le bouddhisme, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a oublié, dans, dans l'hindouisme, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a oublié. Euh, C'est plus maintenu, hein, dans l'hindouisme, on respecte encore les vaches sacrées comme du temps de l'air du taureau, 6000 ans d'écart, euh, etc. C'est plus maintenu, mais enfin, l'Inde, se met au goût de l'aéronautique, d'informatique, du spatial euh, à aussi, etc. Au niveau du dirigeant, il n'y a plus personne dans le spirituel, hein, sur la Terre. Hein. D'ailleurs, vous avez remarqué dans notre histoire euh, d'élections euh, euh, politiques, hein, présidentielle ou euh, législative, tous les candidats sont matérialistes. De l'extrême droite à l'extrême gauche, il y a un qui vous parle de spiritualité, de morale, de, de vertu. Alors tout est comme ça. Donc c'est toujours l'éternel débat. On l'a dans les fameux Elohim et Nunaki la foi ou la connaissance. C'est-à-dire, j'ai la foi, je crois, il y a un ciel, il y a des anges, il y a des dieux, il y a un dieu, euh, etc. Ou alors, j'étudie, il y a un bagage à apprendre, il y a l'alchimie, il y a des principes, l'astrologie, il y a des, des, des choses, de, euh, comment dire, un enseignement. Alors là, j'ai la connaissance, à force d'étudier, j'ai la révélation, j'ai l'illumination. Ça n'empêche pas d'avoir la foi en même temps d'autres de, plans d'existence, de transcendance, de, de divinité, etc. En gros, il faudra allier les deux, foi et connaissance. Ce que disent les initiés, mais l'Église, Saint Paul dit, euh, la foi c'est bien, la connaissance c'est machin païen, c'est hérétique, puisque les gnostiques disaient, ce qui compte c'est la connaissance. Bon, dans les initiations, on dit, ben, la connaissance a cassé, majuscule toujours, doctrine des sigles, machin, alors que l'Église, ben, si vous avez la foi, si vous dites, je crois en Dieu, en Jésus-Christ, aux anges, euh, à notre Sainte Mère l'Église, ben, j'ai le salut, je suis sauvé ben, ça va pas loin, c'est léger. Et en gros, l'Église rejette toujours ce qu'on appelle la connaissance. La spiritualité actuelle sur notre planète est principalement répartie en trois grands cultes monothéistes. Chacune de ces croyances religieuses, persuadée d'être sur la seule voie de la vérité, reste convaincue que la venue d'un être exceptionnel envoyé de Dieu sur Terre est un marqueur déterminant pour l'évolution de notre espèce. Ces messies, censés apporter aux hommes la parole salvatrice, connaissent généralement une fin tragique, devant affronter un monde en totale opposition avec les valeurs qu'ils sont prétendument venus apporter. L'opposition flagrante entre les souhaits de ces Messies et la réalité concrète du monde, idéologiquement ou spirituellement, marque non seulement une transition franche dans les mœurs, les croyances ou les actions, mais également un changement total du monde qui les entoure. La venue des Messies, quelles que soient les croyances ou les époques, semble donc annonciatrice de grands changements, de bouleversements radicaux, à l'image des fins de cycle annoncées dans la tradition primordiale. Pourrions-nous en déduire que ces messagers divins, trop souvent malmenés lors de leur venue, sont les annonciateurs de la fin des âges de la décadence cyclique? Oui, alors c'est encore une question très très importante et très très épineuse de, de cerner la notion de Messie. Euh, alors normalement c'est comment dire lié aux religions. Quand une religion nouvelle se fonde, il y a un grand chef spirituel, un prophète. Bon, c'est le cas dans l'islam avec le prophète Mohammed qui a une révélation. Parce que ça vient toujours du ciel, que ce soit le Christ ou que ce soit euh, le prophète pour l'islam, reçoivent. Euh, du coup, la suite engendre une religion. Alors lié à la fin de cycle, c'est autre chose. Est-ce qu'obligatoirement des messies apparaissent à chaque fin de cycle? C'est-à-dire pour nous tous les 2000 ans en moyenne pour annoncer leur nouvelle. Bon, on n'a pas de trace, mais il se pourrait qu'on avait passé de l'ère du lion à l'ère du cancer, qu'il y eu un Messie. On dit ben voilà, on va changer de cycle. Je pense qu'il y a toujours des des maîtres spirituels qui informent au moins une élite spirituelle ou temporelle, c'est-à-dire les rois et, et empereurs, etc., qu'on va rentrer dans une ère nouvelle, que les conditions ne seront plus les mêmes. Parce qu'on vit pas de la même façon dans l'ère du lion, dans l'ère du cancer, dans l'ère du bélier, très guerrière avec euh, tous ces grecs et ces civilisations du Moyen-Orient, puis après l'ère des poissons. Mmh, à notre époque, c'est un peu particulier puisque, visuellement, euh, la période est encore plus, euh, changeante que d'habitude. Et que, là, il faut, il faut des révélateurs, euh, alors, forcément, la notion de Messie est très complexe. On a vu le précédent, c'est-à-dire que plusieurs siècles avant Jésus-Christ, on annonçait qu'il y aurait un Messie pour Israël. Il y aurait un Messie tout court pour d'autres religions. La planète Terre, etc. Hein comme quoi ça allait bien être renouvelé. Hein Donc on connaît tous l'histoire du Christ, le Messie annoncé, les, les Juifs qui ne le reconnaissent pas parce que son comportement ne correspond pas aux Écritures, euh, patati, euh, patata. Bon, pour pas être trop long, à notre époque, est-ce qu'il y a. Alors, c'est incroyable à toutes les époques le nombre de personnes qui sont présentées comme étant le Messie. On annonce un Messie pour les temps nouveaux, le Messie c'est moi, je fonde l'ère nouvelle. Du temps du Christ, il y en avait déjà. Hein ça avait un personnage qui était Apollonius de Tiane, il était aussi joué en pouvoirs supranormaux que le Christ, le guérisseur euh, Simon Magicien, était censé ressusciter les morts aussi. Vous euh, voyez, donc le Christ avait des concurrents, et chacun se disait le messie de la nouvelle, c'est moi. Et aujourd'hui, c'est pareil. Un nombre considérable de personnes, moi j'ai encore eu il n'y a pas longtemps, qui est quelqu'un qui m'a dit euh, le futur Christ, c'est moi. Bon. Alors... Le, ce qui est très particulier de notre époque, c'est que toutes les religions annoncent un Messie. C'est-à-dire pour les chiites, c'est le Mahdi. Pour nous, c'est le retour du Christ. Pour le, les Indiens de l'Inde, c'est le, le dixième avatar de Vishnu, sa dixième et dernière incarnation, euh, etc., etc. Donc on a euh, pour les rose-croix et francs-maçons, c'est le comte de Saint-Germain qui se réincarne, etc. Donc on a tous les messies qui reviennent. Alors, est-ce qu'ils reviennent comme on le croit, dans la population, pour sauver l'ère qui finit En gros, conforme les hommes politiques, euh, tout va changer parce que j'arrive, je sauve ce monde parce qu'il est en perdition, c'est fini, on ne peut plus le faire. Aucun sauveur politique, alors là c'est fini. Aucun sauveur ne peut être politique. Un sauveur spirituel, c'est très bien clair, fini. Il ne va pas sauver une ère qui est finie. Il a plutôt l'aider à finir. Qu'est-ce qu'il fait Il annonce l'ère nouvelle. Donc en gros, un nouveau Messie, s'il apparaissait, donnerait les grands principes de l'ère du Verseau. Il pas de sauver l'ère du Poisson. Il faut être dans l'idée qu'elle doit finir. L'aider à finir est très bon. Pour l'humanité. Elle n'a que trop duré et elle finit très mal. Et... D'ailleurs, on ne peut même pas redresser euh, ce qui est en train de se, de se, de se dissoudre. Donc, c'est un petit peu ce qui n'empêche nullement de faux prophètes de dire le Messie de la nouvelle c'est moi. Comme les gens du le Christ. Alors là, on risque d'en avoir tout plein. Je suis le grand monarque, je suis, je suis la réincarnation du machin, je suis le nouveau Bouddha. Bon, bah, ben ça, oui, d'accord, mais ça ne peut pas aboutir à grand-chose. Alors, pour l'instant, on ne peut pas dire, on pense, hein, qu'il est déjà là physiquement, mm -hmm. pas encore révélé, j'allais dire médiatiquement, il va apparaître en, 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 sous peu, parce que bien sûr, il faut toujours annoncer la nouvelle, parce que, euh, comment dire, le, la tradition n'est jamais perdue. C'est-à-dire que même si tout va à volo, les maîtres sont toujours là, ils guident un petit peu ce qui se passe. Mais avant, en grand jour, par les grands prêtres, les grands chefs spirituels, Grand sage maintenant, j'allais dire dans les coulisses, euh, en retrait, mais il prépare un peu tout secrètement. Et ce qu'il faut savoir, c'est un message d'espoir. C'est comme tout est préparé secrètement pour l'ère nouvelle. Le jour où ça apparaît, au grand jour, ça apparaît tout d'un coup. Et là, ce sera flagrant de dire, bon sens, c'est ça. Parce que là, là, on n'aura pas de doute. Le, le personnage présentant sera vraiment le vrai personnage présentant. Et en attendant, qu'est-ce qu'on peut faire pour donner un message aux humains? Plus on est évolué, plus on a des pensées positives, plus euh, on est dans l'esprit, plus on a rejeté ce monde, rien à voir avec euh, ce qu'on nous demande de faire aujourd'hui, de, de souscrire à toutes les choses à la mode matérialiste et tout le reste. On ne veut pas, on se met tout à fait du côté du nouveau Messie déjà dès maintenant. La tradition primordiale semble donc nous montrer ce vers quoi nous nous dirigeons, sans pour autant que nous ne puissions réellement y faire quoi que ce soit. Dans notre cas présent, nous nous trouvons, en cette fin de l'ère des poissons, à la toute fin de l'âge de fer, dans l'âge de fer du fer. Nous ne pouvons que constater par nous-mêmes, de nos propres yeux, la décadence permanente de notre monde, de nos idéologies et de nos dirigeants, toujours plus corrompus et pervertis, n'œuvrant que dans leurs propres intérêts, aussi sombres et mauvais que leurs âmes. Mais cette époque de ténèbres ne doit pas être perçue comme un châtiment ou une punition suprême, car la traversée des enfers permet non seulement d'affirmer ses convictions et sa volonté de progresser et d'avancer, mais surtout elle laisse entrevoir l'avenir comme étant un âge d'or radieux et bénéfique. Il s'agit donc en réalité d'un message d'espoir et d'encouragement, afin de ne jamais cesser de se battre pour nos connaissances, nos libertés et notre avenir. Car si vous ne jouirez pas forcément du fruit de vos combats durant l'âge de fer du fer, dites-vous que vos enfants et vos petits-enfants, eux, pourront peut-être enfin profiter pleinement d'un monde en plein âge d'or.